Bonsoir, chers voisins. Bonsoir, les amis. Je salue l'ami et collaborateur David Carlos Wayne. David, fais-moi signe si le micro est audible. On salue et on accueille l'ami Marilyn Yepdier et voilà, et tous les autres que je ne vois pas à l'écran. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va finir notre sujet de l'autre jour. André Marimbida, on parlait de lui. On parlera d'autres acteurs, les raisons pour lesquelles il a connu l'infortune qui a été la sienne. Je vous parlerai d'un autre homme politique camerounais dont on a sali le nom, à juste tort, parce qu'il faut rétablir les gens dans leurs droits après ce qui s'est passé. Alors, Niatadé, je vous parlerai de Niatadé. Un député remarquable, un homme tout à fait respectable qu'on a traîné dans l'ombre. Alors, prenez place, on attend un peu nos amis retardataires et on va lancer.
We're going to come out of the mother.
Alors, chers voisins, merci pour votre patience. Alors, j'ai reçu énormément de courriers de beaucoup d'entre vous qui ne connaissaient pas André Marembida, sauf d'en avoir entendu parler comme ça, de façon furtive. Ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui lui a valu cette espèce d'acharnement dont je vous ai rendu compte l'autre jour,
la maltraitance, l'humiliation dont les siens ont fait l'objet. Alors, tout est parti du fait que le Cameroun était un système parlementaire. En France, il y avait un système parlementaire, bien qu'ils aient un président, mais qui inaugurait les chrysanthèmes. C'est-à-dire qu'il avait un rôle purement honorifique et protocolaire, à l'instar de la reine d'Angleterre ou maintenant le roi d'Angleterre. Et il ne détenait pas la réalité du pouvoir exécutif, le président français. Donc, ça se passait au Parlement. Nous sommes sous la 4e République. Il y a eu l'instabilité de gouvernement, je vous ai souvent dit ça ici, parce que le système électoral contenait une petite dose de proportionnel. Alors ça donnait lieu à des gouvernements instables comme ce qui se passe en Italie, en Israël, etc. Mais le président de la République n'avait pas de réalité de pouvoir exécutif. Et donc au Cameroun, on n'avait pas de président non plus. Le Cameroun, bien que sous un mandat de tutelle, était considéré comme un territoire français d'outre-mer. De ce point de vue, on pensait que le président des Camerounais était le président français, même si celui-ci inaugurait les chrysanthèmes. Et donc, on avait, à partir de la loi de 1956, un gouvernement autonome, mais qui était hiérarchiquement dépendant du ministre des colonies et du haut commissaire local. Voilà. Donc, Ahidjo, prenant la place de Mbida, n'était qu'un premier ministre, n'était pas chef de l'État. Il y avait des partis politiques au Cameroun, UC, Amadou Ahidjo, Union Camerounaise, ancêtre de l'UNC, ancêtre du RPPC. Il y avait le PDC, Parti des démocrates camerounais, d'André-Marie Bida. Il y avait le Parti des paysans libéraux de l'Ouest, André Djoumissi, un transfuge de l'UPC. À partir de 1950, il fut le tout premier président de l'UPC. Les colons l'ont harcelé avec la complicité de l'Église catholique, qui l'avait interdit de funérailles, de baptême, de tout ce que vous voulez. On l'avait mis à l'écart et il a fini par plier et voilà, à renoncer à cela. Donc, on avait beaucoup de partis politiques, on avait le MRC, le mouvement citoyen de Paul Soubry-Brissot, et d'autres petits partis qui étaient représentés au Parlement. Et Ahidjo, de mèche avec le gouverneur, le haut commissaire, Ramadier, qui n'a fait en tout et pour tout que 3 semaines au Cameroun, ils ont décidé de débarquer André-Marie Bida. Ils s'étaient trompés, hein, les colons, ils s'étaient trompés parce qu'au début, ils mettent André-Marie Mbida, mais avant de mettre André-Marie Mbida, ils vont approcher 2 autres personnes. Ils vont approcher Douala Alessandro Mangabel, le fils de Rodolphe Mangabel, parce que lui, il avait été formé au sein de l'armée française. Il est sorti de l'armée française, je parle de... Est-ce que j'ai sa photo ici? Je la montrerai plus tard, je l'ai souvent montré ici. Alessandro Douala Mangabel, le fils de Douala Mangabel, Rodolphe Douala Mangabel, pendu par les Allemands le 8 août 1914, dont son fils, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver sa photo, mais je la trouverai tout à l'heure, son fils avait été formé par l'armée française et il en est parti avec le grade de capitaine. Excellent cavalier, il y avait pléthore d'anecdotes dans son sujet. Il allait dans des hôtels, il y avait un hôtel très célèbre à l'époque, je ne sais pas s'il existe encore. On l'a vu entrer dans l'hôtel avec son cheval et il a demandé au serveur de donner à boire à son cheval et à lui-même. Il avait mauvaise presse, sans compter son penchant pour liquider les terrains au gouverneur André Soukado. Je parlerai de ça lorsque j'aborderai la question foncière dans un de mes directs. On l'avait abordé lui, mais il n'avait pas bonne presse. On avait approché Jules Nénine, qui avait beaucoup d'expérience, mais il était antillais. Donc, il faisait de la politique au Cameroun. Il n'était d'ailleurs pas le seul étranger à faire de la politique au Cameroun, puisque je vous ai souvent parlé ici de Louis-Paul Odula, le créateur des hôpitaux à l'UICEM, pied-noir d'Algérie, né à Lille, mais venu au Cameroun et représentait le Cameroun à l'Assemblée nationale française,
à partir de 1946, c'est lui qui va enrôler en politique les gens comme André Naribida, Pobi et Aïdjo, qui vont faire de la politique au sein de son parti, le BDC, le Bloc démocratique camerounais. Il va créer le même parti au Sénégal, le Bloc démocratique sénégalais, au sein duquel on va trouver des gens comme Abdou Diouf, Senghor, Mamadou Dia, et tous les autres. Donc, c'est lui qui représente les intérêts du Cameroun au Parlement français à partir de 1946, parce que jusqu'à cette date, on estime que les nègres ne sont pas suffisamment adultes pour se faire représenter par un des leurs. Donc, il y avait beaucoup de partis politiques au Cameroun. Et c'est à la faveur. On va voir les querelles politiques entre André Marimbida, Paul Soprouprezo, dont je vous ai dit qu'il était le premier homme politique à tenir un meeting politique au Cameroun. 15 décembre 1938, on va avoir des petites querelles, ils vont se réconcilier, il y aura des combinaisons, comme ça se fait dans tout état normal de droit, où il y a la pluralité politique. Paul Soprouprezo va se réconcilier avec André Marimbida, lequel va l'aider à battre Leopold Odjoula de la présidence de ce qui était de l'Assemblée nationale, lequel André Marimbida va battre Leopold Odjoula pour représenter le Cameroun à l'Assemblée nationale française, etc. Donc, il y avait une vie politique animée au Cameroun. Donc, Aïdjo, qui a été la troisième personne à être abordée, après le refus, enfin, après l'impossibilité de nommer Alexandre Laurent Mangabel, après l'impossibilité de nommer Jeunine Lantier, Aïdjo est la troisième personne, enfin André Marimbida, pardon, est la troisième personne, et il sera premier ministre, il est le tout premier. Mais les colons se sont trompés, parce que ils s'aperçoivent que l'UPC a gagné le combat des idées. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut appliquer les idées de l'UPC sans l'UPC. Donc lui ne comprend pas que la France a évolué, lui... Parce qu'on entend ici et là des formations pour dire que oui, André Marimbida était contre l'indépendance et la réunification. C'est pas vrai. Il ne voulait pas l'indépendance telle que les colons voulaient la nous donner. C'est-à-dire que donner l'indépendance sans la donner. C'est d'ailleurs pour ça que une fois qu'il sera débarqué du poste de Premier ministre, on va le retrouver en exil en Guinée avec les UPCistes. Quand les UPCistes apprennent en 1959, en décembre 59, que le Cameroun est sur le point de recevoir l'indépendance nominale, ils comprennent très bien que c'est une astuce, et ils font un communiqué. Ils disent l'indépendance telle qu'on veut la donner au Cameroun à partir du 1er janvier 1960, en tout cas pour ce qui est de sa partie orientale, entendez Cameroun francophone, parce qu'à l'époque les anglophones ne sont pas avec nous, l'UPC dit l'indépendance nominale telle que vous allez en bénéficier à partir du 1er janvier n'est pas l'indépendance pour laquelle nous nous sommes battus. Ça sera le carcan par lequel les colons vont continuer à vous tenir. Ce peuple va continuer à marcher nu et à mourir de faim dans son pays, pourtant qui regorge des richesses. Donc André Marimbida a vu juste... Pierre Messmer le dira lui-même, il dit « Nous avons donné l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins ou qui ne la réclamaient pas du tout. » Donc, il est contre cette formule de l'indépendance. Alors, les colons estiment qu'il n'en fait qu'à sa tête, on va le débarquer, on met Aïdjo. Parce qu'ils se sont trompés en mettant Bida, parce qu'ils pensaient qu'en mettant Bida, ce serait une espèce de pantin. C'est la même erreur qu'Aïdjo va faire des années, des décennies plus tard. En mettant Paul Biya, à travers lequel ils croyaient continuer à diriger le Cameroun et à tirer des ficelles. Les colons vont faire la même erreur avec André Marimbida, et une fois qu'ils se rendent compte qu'André Marimbida est un nationaliste caché, ils vont le débarquer. Je vous ai dit aussi comment André Marimbida est né. C'est son idée, il est à l'origine de l'idée par laquelle on gouvernerait le Cameroun à travers les provinces. Je vous ai dit que nous lui devons le drapeau. On lui doit la devise nationale. Il avait des velléités sur les questions monétaires. On va le débarquer. Et on va nous vendre une autre histoire. Voilà. Mais lui, il va, ses premiers ennuis avec Aïdjo, une fois qu'il revient d'exil,
il remporte les élections, parce que là encore, on a des élections libres, va venir sur la question des pleins pouvoirs. Ahidjo n'est pas encore président, il est le premier ministre. Je vous ai dit que le Cameroun avait un système parlementaire. Ils vont se fâcher sur la question des pleins pouvoirs. Mais André-Marie Milan n'est pas le seul. Il y a avec lui Maï Maty, qui représente la branche légale de l'UPC. Rappelez-vous que l'UPC avait été dissoute le 13 juillet 1957, et que bon, Ahidjo avait fait la paix, on avait la branche UPC légale, celle de Maï Maty, on avait des gens comme Bébé Idi, qui avait son parti politique et son proposant. Donc ces gens vont faire une lettre ouverte pour protester contre le concept qu'Ahidjo veut imposer, le concept du parti unique, mais qu'il appelle parti unifié. Il propose à tout le monde de se fondre au sein d'une formation politique, etc. C'est le début du parti unique. Donc, ces ennuis vont venir de là. Alors, il y a des débats. C'est à partir de là où des gens comme Daniel Kemadjou, dont je vous ai montré la photo, qui était le tout premier maire de Nkonsaba, lui, il était Prince Bazou, mais c'est le premier maire de la ville de Nkonsaba. Ces ennuis vont venir là-bas. Il ne sera pas le seul. Ils seront plusieurs comme ça à s'opposer. Je vais vous lire les rapports, les débats ayant devant abouti à la question du parti unique. Donc, il y a une séance, plénière du 29 octobre 1959 au matin. Et le président de l'Assemblée nationale législative était désormais Jean-Baptiste Mabaya. Je vous ai montré sa photo ici. Je la trouve très très rapidement. Alors, il y a ce bruit-là. Genre, je vais montrer plusieurs photos et on tombera sur la sienne. C'est pas celle-là, non. C'est pas celle-là non plus. Je vous expliquerai, je mettrai un nom à chacun de ces visages que je vous propose pour les plus jeunes. Jean-Baptiste Mabaya. Je l'avais ici. Alors, c'est lui, Jean-Baptiste Mabaya. C'était lui le président de l'Assemblée législative. Il venait de remplacer Daniel Kemadjou, dont la séance est ouverte à 9h35. Alors, voilà la teneur des débats. Alors, monsieur le président Jean-Baptiste Mabaya, la discussion, et alors il prend la parole, il dit, la discussion générale est ouverte. Je vous rappelle que c'est quand Ahidjo a voulu se donner le plein pouvoir. Donc, il y a cette séance du 29 octobre 1959. Le président de l'Assemblée, qui vient de rassembler Jean-Baptiste Mabaya, qui vient de remplacer Daniel Kemadjou, prend la parole et dit, la discussion générale est ouverte. La parole est à monsieur Daniel Kemadjou. Applaudissements de démocrates camerounais, parti d'André-Marie Mida. Daniel Kemadjou prend la parole. Monsieur le premier ministre Amadou Ahidjo, je veux dire un mot seulement. Je m'excuse. Non, ça c'est toujours le président de l'Assemblée qui continue. Je m'excuse auprès de M. Kemadjou, mais avant qu'il parle, je voudrais indiquer que le gouvernement accepte le texte amendé par la Commission. Je voudrais préciser que s'ouvre actuellement le débat sur la question de confiance posée par le gouvernement afin qu'il n'y ait pas d'équivoque. M. Kemadjou, le projet gouvernemental sur les pleins pouvoirs soulève de notre part plusieurs observations. Les pleins pouvoirs permettraient de lutter contre le terrorisme, sans doute par une répression purement militaire, d'élaborer le projet de constitution hors de l'Assemblée, de préparer une loi électorale, de résoudre par des échanges de lettres les problèmes d'ordre international, d'élaborer des conventions avec la puissance du Québec et la France, et enfin de concentrer entre les mains d'une seule et même personne, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, c'est-à-dire d'instaurer une dictature.
le pouvoir personnel ou en d'autres termes, le règne du bon plaisir, de l'omnipotence policière, des camps de concentration, des déportations, des arrestations et emprisonnements arbitraires, des exécutions sommaires, des pendaisons, des licenciements administratifs abusifs, des fonctionnaires et même illégaux, des persécutions des étudiants dans les lycées et collèges. Alors, vous voyez à ce stade, mes chers amis, Daniel Kemadju avait déjà vu ce qui s'est tramé. Et c'est ce que les Camerounais connaissent aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il y a le multipartisme au Cameroun. Et Aïdjo veut lui qu'on lui donne les pleins pouvoirs. Il ne veut pas passer par l'Assemblée nationale, etc. Et Daniel Kemadju dénonce à juste titre. Il dit, mais ce que vous voulez là, vous voulez concentrer entre vos seules mains les pleins pouvoirs. Là, il est en train de revendiquer avec ses mots l'application, l'observation stricte de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Cher à Montesquieu, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, car la respiration dans un état de droit est à ce prix. Il avait déjà vu ça, il était précoce. Alors, il continue. On lui remet la parole, il dit, comme vous le constatez vous-même, messieurs, ces projets sont foncièrement dangereux et de ce fait méritent d'être purement et simplement répudiés. En effet, le bilan de la situation actuelle montre que le gouvernement Aïdjo a eu les moyens de rétablir le calme dans le pays, de résoudre le problème du terrorisme, et ne l'a pas résolu, n'en ayant pas étudié les causes d'une façon suffisamment intéressée, approfondie et objective. Pour nous, l'amnistie totale et inconditionnelle dans l'ensemble du pays, la table ronde où s'est réconviée toutes les forces politiques du Cameroun et la formation d'un gouvernement d'union nationale peuvent seules résoudre le drame camerounais. Quant à M. Aïdjo, la répression militaire seule suffit et le projet de table ronde aboutirait, selon lui, à une assemblée de bavards. Pourtant, l'assemblée n'a jamais gêné le gouvernement dans son action, l'a toujours secondé quand il a été ferme, aussi bien que lorsqu'il a été clément. Par ailleurs, la représentation effective des populations du pays Bassa a beaucoup contribué au calme qui règne dans cette région. En outre, la rapidité et l'efficacité d'une action gouvernementale menée sans avoir à rendre des comptes à l'Assemblée souveraine n'est pas prouvée. Jusqu'à présent, l'Assemblée a toujours su légiférer rapidement, efficacement, lorsque la situation l'exigeait. Par conséquent, l'activité de notre Assemblée ne saurait être considérée comme entravant la marche du pays vers l'indépendance, mais bien au contraire, comme l'y guidant. Enfin, l'Assemblée, représentant seul le peuple, ne saurait être écartée de la discussion et de la blastron des projets de constitution et de loi électorale. En fait, les conséquences réelles des pouvoirs spéciaux seraient les suivantes. Le gouvernement aurait les mains libres pour résoudre le problème du terrorisme par la répression pure et simple, risquant de pourrir définitivement la situation, et ceci dans d'autres régions que les pays bamiléquais et le Mongo. Deuxièmement, le gouvernement pourrait également procéder à sa guise au sectionnement électoral, à la répartition des sièges et à l'aménagement, au seul profit du parti de l'Union camerounaise, UC, de toutes les dispositions de la loi électorale. Monsieur Akono prend la parole, il dit très bien. Monsieur Kemadju continue. Monsieur Aïdjo préparerait ainsi en paix l'élimination des jeuneurs sur la route du pouvoir. Je m'explique. Si les pleins pouvoirs étaient accordés à Monsieur Aïdjo, une nouvelle catégorie de régime politique serait née au Cameroun, consacrant une façade démocratique officielle, derrière laquelle se dissimulerait une autocratie plus rigoureuse que la monarchie de Louis XIV ou l'Empire de Pierre le Grand. Le système électoral, sur les bancs des démocrates, on acquiesce. C'est exact. Monsieur Kemadju reprend la parole. Le système électoral et de savants découpages permettent de maintenir une fiction démocratique qui ne tromperait personne par une série de moyens simples en même temps qu'ingénieux qui sont des entraves apportées à la propagande électorale de l'opposition, jusqu'au trucage des urnes et du dépouillement, en passant par l'arrestation des candidats défavorables au gouvernement et de leurs sympathisants, les pressions directes ou indirectes sur les électeurs, les violations du secret des votes, etc. Il sera appuyé par une infime minorité de citoyens d'obtenir de confortables majorités électorales. À la limite, le système tend au régime du parti unique. Quand on sait déjà comment se déroulent les opérations électorales dans certaines régions du Cameroun, et plus particulièrement dans le Nord, il faut s'attendre au pire.
On sait, par exemple, le Lamido qui essaie de tenir tête à M. Aïdjo est menacé de destitution ou d'emprisonnement. Protestation de Lamine, applaudissement des démocrates camerounais. M. Akasso, quand un tonneau est vide, il fait du bruit. M. Kemadjou, on sait que le père d'un député n'obéit pas servilement aux ordres du Premier ministre. Akono, très bien. M. Kemadjou recevra immédiatement une inspection administrative sur le banc des démocrates camerounais. Très bien, M. Kemadjou, ou des gendarmes. Applaudissements des démocrates camerounais. Monsieur Lamine, vous avez attendu le 29 octobre pour dénoncer cela? Monsieur Kemadjou, je reprends. On sait que le père d'un député qui n'obéit pas servilement aux ordres du Premier ministre recevra immédiatement une inspection administrative ou des gendarmes qui le menaceront de poursuites judiciaires et d'emprisonnement. Vous pouvez, monsieur, à partir du présent, juger de l'avenir lorsque le 1er novembre 1959, monsieur le haut-commissaire Xavier Thor viendra ici au nom de la France nous mettre à la porte pour sacrer M. Aïdjo, empereur du Cameroun. Applaudissements des démocrates camerounais et des élus de la Sanaga maritime et de l'Union Ekele. M. Aïdjo engagerait pendant au moins 6 mois notre pays devenu indépendant le 1er janvier 1960 dans des accords qu'il serait seul à examiner, à signer, sans contrôle possible des élus du peuple et risquant d'obérer l'avenir du pays sur tous les plans. Politiquement, l'indépendance, la vraie indépendance que le peuple camerounais attend ne sera qu'un leurre. Mes chers amis, il est en train de nous parler en 1959. Et ce qu'il redoutait en 1959 est arrivé. Aïdjo a signé des accords de façon unilatérale avec les Français. Mais le Cameroun n'est pas sa maison. Mais lui tout seul a pris notre pays les pieds et poings liés. A signé des accords avec les Français sans l'avis de la représentation nationale. Et c'est ce que dit le député Daniel Kemadjou. Il dit il va aller livrer notre pays pieds et poings liés. Je continue la lecture, mes chers amis. L'indépendance, la vraie indépendance que le peuple camerounais attend ne sera qu'à l'heure, la liberté. C'est bien précieux pour lequel nombre de nos meilleurs fils sont morts et continueront à mourir. La liberté pour laquelle depuis tant d'hommes, d'enfants, de femmes souffrent en exil, au maquis, dans les prisons et camps de concentration, ne fera plus la continuation de l'oppression coloniale, l'asservissement à jamais, l'esclavage à jamais. Économiquement, ça sera la continuation de la récession, la baisse des exportations, et par là même des recettes fiscales, réduisant le pays à la dépendance totale vis-à-vis de l'étranger, auprès de qui il faudra mendier. Du point de vue social, maintien des étrangers dans des hauts postes de commandement, et plus particulièrement dans le Nord, mauvaise camerounisation des cadres, mauvaise utilisation de nos diplômés, rentrée de la métropole est réduite à occuper des petits postes subalternes, travail de sape pour destruction avouée, et systématique de structures traditionnelles sans rien de valable pour les remplacer. Aggravation du chômage dans le pays, préparation d'un marasme durable sans critique possible des élus du peuple, écarté pour 6 mois, multiplication des faillites de nombreuses entreprises et commerçants. Mauvais départ, n'est-ce pas? Célébration des fêtes de l'indépendance au 1er janvier 1960, sous une dictature sans dynamisme et dans le trouble des esprits. Le peuple perdra ses illusions et son enthousiasme. L'inquiétude sera confirmée. Risque de préparation d'un 18 primaire pour l'abandon du régime démocratique qui sera suivi d'un césarisme pur et simple. La démocratie est le régime suivi au Cameroun et il lui convient parfaitement. Or, le fonctionnement normal d'une assemblée législative est la seule véritable garantie de cette démocratie. Cette démocratie permettra l'unification réelle des deux Cameroun, alors que la dictature préparerait une scission fatale du pays. Messieurs les députés, je crois vous avoir fait toucher du doigt le danger que représente l'octroi de plein pouvoir. Monsieur le Premier ministre Aïdjo veut ressembler au général de Gaulle. Mais je pense quant à moi que Monsieur Aïdjo ressemble davantage au maréchal Pétain. En effet, pendant la dernière guerre mondiale, le maréchal Pétain n'avait obtenu le plein pouvoir que pour livrer la France à l'occupation allemande, donc à l'ennemi. Monsieur Aïdjo veut, lui, nous livrer aux erreurs du colonialisme. Et quand le général de Gaulle demandait le plein pouvoir, il est élu, soutenu dans son action par 80% des Français, par l'enthousiasme populaire, par adhésion naturelle. Akono Claude, exact.
Monsieur Kemadio, Monsieur Aïdjo, qui est essentiellement impopulaire, demande les pleins pouvoirs spéciaux uniquement pour faire la guerre à ses frères camerounais et surtout compromettre à jamais l'avenir de tout un peuple. N'oubliez pas que toute concentration du pouvoir entraîne un accroissement de pouvoir. N'oubliez pas que l'autorité corrompt ceux qui l'exercent et les campe contre les citoyens. Une fois que Monsieur Aïdjo sera proclamé tout puissant, rien ne pourra plus l'arrêter sur le chemin du despotisme et fera la pluie et le beau temps. Vous savez que lorsque les médiocres sont au pouvoir, ils sont toujours tentés d'en abuser. Rien des démocrates, c'est une pente inéluctable. Ils sont obligés de jouer au dur pour prouver à eux-mêmes et aux autres une supériorité qu'ils ne possèdent pas. Applaudissements des démocrates camerounais et des députés d'Union et Calais. Le pouvoir qui n'est pas sûr de lui est forcément tyrannique. Monsieur Lamine, évidemment, rien n'est bon parce que ce n'est pas Monsieur Kemadio qui décide. Monsieur Kemadio, le 1er janvier 1960, le gouvernement franco-aïdjo nous promet une situation politique des plus troubles, une économie sans vraiment désorganisée, une situation sociale dramatique, des dettes partout. On peut d'ores et déjà juger de ce que sera la reddition des comptes entre le tuteur et le Cameroun devenu majeur. Monsieur, ce triste tableau renforce davantage notre inquiétude dans l'avenir de notre pays. Les intentions de la France ne sont pas pures. Pourtant, le ministre Jacquinot déclarait à la tribune des Nations Unies que l'indépendance est l'indépendance. Nous nous apercevons aujourd'hui que ce n'est pas vrai. C'est un piège à con que nous a tendu. Monsieur Lamine, vous étiez à l'ONU, il fallait le dire là-bas. Monsieur Salam et Congo Germain, salué par des applaudissements des membres de son groupe. Monsieur le Président, messieurs les députés, mesdames et messieurs, depuis quelque temps, l'Assemblée législative camerounaise offre au monde un spectacle particulièrement original. Celui de voter des lois qui, au lieu d'être salutaires, c'est-à-dire d'avoir pour effet la promotion économique, le relèvement du niveau de vie des Camerounais, la protection des citoyens, la garantie des libertés démocratiques, etc., travaille bien au contraire à la perdition de ce pays. C'est ainsi que, par exemple, avant de se séparer en juin dernier, elle a laissé librement en circulation la fameuse et horrible loi sur le maintien de l'ordre public, dont l'application fait tant de misère, sème la panique et détruit la population camerounaise dans les régions du sud, le centre et de l'ouest du pays. En d'autres termes, il est demandé aux députés de se débarrasser de leur mandat pour le confier à un seul individu qui désormais parlera et agira au nom de tous les habitants de la nation. Le Premier ministre vous demande de vous dessaisir de ce mandat précis que vous tenez de ces millions d'électeurs camerounais pour lui laisser seul le soin de régler et de décider du sort de l'État. Il aurait été infaillible que la chose se conserverait, et non sans peine d'ailleurs. Mais il n'en est rien. Pourquoi même concevoir une telle idée? Députés, êtes-vous tous malades? Si malades, qu'il vous est impossible d'assurer votre mandat complètement? Et si oui, la punition seule aurait justifié votre décision? Êtes-vous incapable de légiférer au nom du peuple? Dites-le lui, tout simplement, sans équivoque. Avez-vous tout simplement besoin de vous reposer? À cela, je me promets de répondre que nous venons à peine de reprendre nos travaux depuis 16 jours, après un long congé parlementaire de 4 mois. Pourquoi donc accepter de céder à un seul individu le mandat que vous détenez du peuple? Est-ce que si cela était fait malgré tout, vous oseriez encore vous présenter un jour devant ce peuple pour solliciter de nouveau ses suffrages et sa confiance? Monsieur Aïdjo, grand citoyen camerounais, et puis. Mais pas général. Je ne doute pas qu'un jour notre premier ministre portait les mêmes étoiles et accomplisse, sinon les plus grands, du moins les mêmes espoirs, puisqu'il s'agit d'affaires de vocation. Pour le moment, je m'en tiens aux seules réalités de l'heure et conclue qu'il ne peut pas valoir l'école sur ce point personnel. Le premier ministre, monsieur le premier ministre Amadou Aïdjo, il me suffit de dépasser Mbida, dit Aïdjo. Réponse de Tchala et Congo Germain, vous ne valez même pas Mbida. Vous ne valez même pas Mbida et vous ne pouvez encore moins le dépasser. À Konokloot, vous êtes impopulaire, monsieur le premier ministre Aïdjo. Salam et Congo Germain, dans le domaine politique, j'ai signalé déjà que les circonstances qui ont porté le général de Gaulle au pouvoir ne sont pas les mêmes que celles qui sont actuellement connues au Cameroun. En effet, la France était menacée d'une guerre civile du fait du mauvais fonctionnement de ses institutions, du mauvais système que vous connaissez. Il fallait donc sauver la situation, et personne jusque-là n'y était arrivé. C'est alors que le peuple français fit appel à son ancien libérateur, je dis bien le peuple français,
pour le sauver du danger d'anarchie dont il était menacé. Et cependant, bien que sollicité par le peuple lui-même, de Gaulle n'a pas abusé de sa position pour demander les pleins pouvoirs. Il n'a demandé que des pouvoirs spéciaux pour mener à bien la tâche pour laquelle il avait été appelé. Au Cameroun, la situation actuelle s'est aggravée par l'action du gouvernement qui fait la sourde oreille à toutes les suggestions qui lui sont faites en vue de dénouer la crise. Le peuple demande l'amnistie totale et inconditionnelle, de nouvelles élections avant le 1er janvier 1960 sous le contrôle de l'ONU et le rétablissement des ligues dissoutes et toutes les libertés démocratiques. Ce qui est le plus absurde, c'est qu'au moment même où le peuple camerounais ne veut plus sentir le gouvernement idiot, c'est à ce moment précis que celui-ci sollicite le plein pouvoir. Dans la salle, pauvre type, pauvre peuple, Monsieur Tchala Mekongo Germain. Avec cela, il veut se comparer à De Gaulle, à la France. Il faut être aveugle pour ne pas voir que ces messieurs, les mesures de ces messieurs sont dictées à Monsieur Aïdjo par la France, directement ou indirectement. Monsieur Akassou, c'est pas vrai, Monsieur Tchala Mekongo Germain. Ainsi, notre Premier ministre accepte de jouer le rôle d'un instrument entre les mains de la France pour la destruction et le malheur de son propre pays. Parlons d'argent. La France, pour réaliser ses desseins, emploie à prix d'argent nos propres compatriotes qui acceptent ainsi de vendre le pays, de vendre le semblable. C'est faisant de Judas. L'Écriture sainte pose cette question aux fidèles. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Je poserai moi aussi cette question. Que sert à un député, à un ministre, de gagner des millions de francs auprès de son pays si, en fin de compte, il perd son âme? Les conséquences résultant des pleins pouvoirs sollicités par M. le Premier ministre Aïdjo, mesures dictées, ont principalement pour but de lui permettre d'abord d'être en place le 1er janvier 1960 afin de signer avec la France toutes les conventions et tous les traités réalisant l'intégration du Cameroun dans la communauté sans que ces conventions et ces traités subissent la censure de l'Assemblée législative au national du Cameroun. M. Tchala Mekongo Germain, et de lui permettre ensuite de préparer une loi électorale si elle est préparée en son unique faveur, lui assurant toute une majorité à l'Assemblée, de préparer une constitution qui lui assure toutes les garanties d'être président de la République, si nous en avons une, afin d'exercer librement un pouvoir personnel, une dictature qui ne souffre d'aucun contrôle, puisque les deux pouvoirs, le législatif et l'exécutif, lui reviennent, de procéder à l'extermination des populations des départements du centre, du sud et de l'ouest du pays, en même temps qu'il procédera à l'élimination de toutes les valeurs de ces localités qui refuseraient de l'applaudir, de peur de souffrir une concurrence. Voilà, chers compatriotes, le sort qui sera bientôt le vôtre, si vous en êtes avisés. Nous en vivons déjà beaucoup d'exemples depuis quelque temps. Mais qui d'entre vous ignore le sort qui a toujours été celui des dictateurs et de leurs apprentis? Chers collègues, sachez dire non à la tyrannie au pouvoir personnel et ne pas vous amuser à voter ce projet de loi diabolique. Monsieur Yakana, je vous répéterai ce que l'on dit aux sourds. Que fait-on avec les sourds? C'est à chaque fois et plusieurs fois, il faut leur répéter la même chose. Applaudissements des démocrates camerounais. La nécessité de l'octroi des pleins pouvoirs n'est démontrée ni par les événements, ni par la volonté du peuple. Le premier ministre Aïdjo, dans son discours du 20 octobre, a affirmé que le gouvernement camerounais disposait de moyens efficaces pour juguler la rébellion et vaincre le terrorisme. Quant au peuple camerounais, il n'a jamais réclamé l'intervention de M. le Premier ministre Aïdjo par un mouvement spontané, comme le peuple français l'a fait le 13 mai 1958 en faveur du général de Gaulle. C'est donc la majorité que M. le Premier ministre veut exploiter pour asseoir ses desseins d'hégémonie sur tout le Cameroun. Désormais, il entend régler tout à sa guise. La loi électorale sera élaborée à son avantage. À son avantage également sera rédigée la Constitution. Pour des motifs obscurs, il précipitera et noyera dans la communauté française l'indépendance naissante du Cameroun. C'est une forme voilée mais réelle de dictature. Quant à nous, nous nous refusons à vendre à un seul homme les pouvoirs que nous avons reçus de la tutelle et du peuple. Le peuple veille, il saura briser son moule et réformer à fond tout ce qui est issu d'une dictature estomprée. Monsieur Akono Claude, la parole, Akono Claude prend la parole. Monsieur le Président, Monsieur les députés,
à l'occasion de la discussion de ce projet de loi déposé par le gouvernement Aïdjo, tendant à obtenir le transfert en ses mains des pouvoirs législatifs que nos populations nous ont confiés, il ne serait pas superflu de répéter ici ce que je vous ai déjà dit le 16 mai dernier, lors de débats en cette enceinte des projets sur le maintien de l'ordre public. Je m'exprimais notamment ainsi. Ouvrez les guillemets. Lorsque le chef de l'État aura compris que le pouvoir n'est pas l'extension d'une influence personnelle, qui dit pouvoir dit servir, et dans la démocratie, le pouvoir appartient au peuple et qui le délègue à des représentants. Or, nous constatons que le gouvernement actuel ne voudrait pas être contrôlé ni par les députés qui ont investi son premier ministre, ni par le peuple camerounais à qui appartient la souveraineté. Il s'agit donc d'éviter l'instauration d'un régime totalitaire et fasciste dans notre pays en ne consentant pas entre les mains d'une seule personne tous les pouvoirs exécutifs et législatifs, que d'ailleurs a bien séparé nettement la loi organique du 18 février 1959. On pourrait peut-être le faire sans inconvénient si le chef du gouvernement camerounais actuel jouissait de l'estime de ce peuple souverain. Or, dernier ne veut plus de cette équipe. Ce dernier ne veut plus de cette équipe à la tête de l'exécutif. Parole à M. Amougoungelepol, le premier ministre et le chef du gouvernement camerounais. Il est le premier citoyen de notre temps. Tout est entre ses mains. Que cherche-t-il encore? Rire. En ce qui concerne la Constitution, je demande à M. le Premier ministre, pourquoi vous acharnez à la faire en l'absence de l'Assemblée? Je sais qu'elle est déjà faite. Vous l'avez en ce moment. Elle a été faite en France, sur la Côte d'Azur, où vous avez passé votre congé. Il en est de même pour la loi électorale. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Nous connaissons vos intentions. Vous pouvez nous présenter en ce moment cette Constitution et votre loi électorale. Parole à M. le Premier ministre Amadou Ahidjo. Monsieur le Président, Messieurs les députés, dans l'exposé des motifs qui accompagnent le projet de loi sur les pleins pouvoirs, le gouvernement a indiqué de façon claire les raisons qui l'ont poussé à solliciter de votre Assemblée ces pleins pouvoirs. Aussi, je ne m'étendrai pas pour répondre aux orateurs qui ont pris la parole avant moi. Plusieurs d'entre eux ont prêté au gouvernement et à moi-même, spécialement, des noirs desseins. Je ne voudrais pas répondre individuellement à ces orateurs qui m'ont qualifié de dictateur ou de candidat dictateur. Mais je retiens qu'un de ces orateurs a décrit cette dictature avec une éloquence à laquelle je me plais à rendre hommage. Je vais citer M. Kemadjou qui l'a dépeinte avec brio et fougue. Mais si cette éloquence confirme ce que nous savons déjà quant à sa culture et à sa vigueur, elle prouve aussi que M. Kemadjou a traité d'un problème qu'il connaît très bien, car j'avais l'impression tout à l'heure que M. Kemadjou voulait décrire l'Assemblée, et M. Kemadjou voulait décrire l'Assemblée l'Empire Bazou, à la tête duquel il se trouve. Vive applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union Camerounaise d'Action Nationale et de l'intergroupe des non-inscrits de M. Ndjoumessi. En tout cas, M. le Président, une fois encore, le gouvernement n'a aucun noir dessein. C'est pour continuer à œuvrer dans la mesure de nos compétences et de nos moyens dans l'intérêt du pays. C'est pour cela uniquement que nous avons demandé ces pleins pouvoirs en tenant compte de la situation exceptionnelle que traverse notre pays. On a dit et répété que tout le peuple camerounais n'était pas pour l'octroi de ces pleins pouvoirs. On a parlé des télégrammes. J'ai reçu aussi des télégrammes et des lettres des Camerounais qui sont contre ces pleins pouvoirs. J'ai reçu, comme tous les députés et les ministres, des lettres de menace, bien sûr. Mais je crois qu'il n'est pas bon qu'un orateur, quelle que soit sa popularité, vienne déclarer ici, sans aucune preuve, que toutes les populations du Cameroun sont contre ces pleins pouvoirs. Qui est des Camerounais contre ces pleins pouvoirs, c'est certain et c'est normal. Ce que nous souhaitons, ce que le gouvernement souhaite, c'est que le jour où nous qui sommes au pouvoir, avec nos défauts et nos qualités, ne serons plus là, il y ait un gouvernement qui ne soit pas officiellement approuvé par tout le peuple, sans exception. Car le gouvernement apparemment approuvé par tout le peuple, l'histoire est là pour le démontrer, sont des gouvernements des dictatures dont on parlait tout à l'heure. On votait pour les pleins pouvoirs. M. Aboubakari, M. Anda, ancien membre du PDC, Aïdjo, Akassou, etc. On votait contre Akono, Claude, membre du PDC, Amougoungelepol, membre du PDC, Inak, membre du PDC, Daniel Kemadjou, Lonsi, Mbala, membre du PDC, Mbon, Doudoumou, membre du PDC, Sopo Prezo, Tchalame Kongo, Germain, membre du PDC, Yolande, membre du PDC. Alors, chers amis, vous voyez que
ce que dit ce monsieur, on a l'impression qu'il parle aujourd'hui en 2023. Ses propos datent de 1959. Et ce député, Kemadjou, premier président, premier maire de la ville de Nkonsamba, il a été président de l'Assemblée nationale, voyez loin. Et tous ces gens qui ont voté contre, ça va leur valoir des animosités. C'est ce qui va valoir à Niatadé, c'est ce qui va valoir à Niatadé ses ennuis. J'ai commencé par vous parler de lui. Niatadé était député. Il avait des plantations, il avait une librairie, et on va l'accuser d'assassinat des deux missionnaires suisses, des libraires, à qui il aurait commandé des bouquins et pour ne pas payer, les aurait tués. C'est pas vrai. Ses ennuis viennent de ce que il était parmi les gens qui avaient dénié le plein pouvoir à Aïdjo. Il avait été dénoncé par Samuel Kamé. Samuel Kamé avait fait des grandes études en France. C'était le premier inscrit dans ce qui est l'ancêtre des Sciences Po. L'administration coloniale avait détaché auprès du premier ministre Aïdjo, dont il était le conseiller, le collaborateur, l'allié politique. Mais il était de Baham. Arrivé en France comme étudiant, il avait été le parrain de Pierre Kanden Nihim. Kanden Nihim Pierre, le plus jeune ministre africain, devenu ministre à 23 ans. C'était un prince Baham, on l'avait envoyé en France pour aller faire des études. Quand les colons l'envoient, on s'est dit, on va le former pour qu'il succède au roi de Baham et pour qu'il soit docile et qu'il travaille au compte de l'administration coloniale. Il arrive en France, il va tourner kazakh. Il tourne kazakh, les colons qui l'ont fait venir voient rouge. On s'est dit, nous nous sommes trompés. On va le ramener dardard. En 56, il va se faire arrêter parce que au motif qu'on a trouvé chez lui des armes, on a trouvé un manifeste où il souhaite, en collaboration avec Oumoubé, qui est dans le maquis, il veut ressusciter l'UPC. L'UPC a été dissoute le 13 juillet 1955. Mais lui, il veut reconstituer l'UPC, donner la main aux UPCistes. Donc on va d'abord l'arrêter une première fois en 1956 pour possession d'armes, mais aussi pour avoir voulu ressusciter une ligue dissoute. Ligue dissoute, voilà le truc. Mais néanmoins, à l'indépendance, il va devenir ministre. Je vous ai dit, plus jeune ministre africain à 23 ans, je crois qu'il est ministre de la Santé. Mais il sera impliqué. D'abord, on va le destituer de sa chefferie de Baham. On va mettre à la place Jean-Marie Teguia. Ceci va susciter des émeutes. La région va s'embraser. Les Bamiléké estiment qu'on ne destitue pas un chef. Un chef est chef à vie jusqu'au jour où la mort le prend. Mais que les colons n'ont pas à choisir qui est leur chef et qui ne l'est pas. Kanden Nihim, j'ai son image ici le jour de son arrestation. Le jour où ils sont venus l'arrêter. J'avais également une image de lui. Oui, je crois qu'il est là. Vous voyez la flèche rouge. C'est lui dans le gouvernement du 16 mai 1960. Avec les Charles Okala. Lui, il était ministre d'État de la Santé. Vous voyez la flèche là-dessus. Donc, on va le faire arrêter. Samuel Kamé, c'est celui que vous voyez à l'image avec Aïdjo. C'est celui-là qui va provoquer le, vous le voyez encore là, il va provoquer le malheur de la plupart des élites Baham. Si bien que lors de ces obsèques, personne ne va se déplacer, personne de son village ne va y aller. Parce qu'il a contribué à décimer l'élite de Baham et même de l'Ouest d'une façon générale. Je vous parle de ça. Parce que ça a une relation avec la situation d'André-Marie Média, parce que tous ceux
qui vont nourrir des attitudes de velléité, de nationalisme, seront traités de rebelles, seront traités comme des criminels. Il y a Zoé Kangaki. Zoé Kangaki, lui, il avait été secrétaire général de l'OUA, ancêtre de l'Union africaine. On va le débarquer parce qu'il était entré dans des histoires de magouilles, mais il était anglophone. Et son apport a été décisif pour la création de l'UNC, le parti unique d'Aïdjo. Et Aïdjo va se servir de lui pour diviser les autres anglophones et les balkaniser. Donc voilà pourquoi André-Marie Bida, on lui en veut. Il passe les pouvoirs à Aïdjo, voilà la passation des pouvoirs. Il passe les pouvoirs à Aïdjo et il s'en va à Conakry, en exil. Il passe d'abord par le Libéria, il va se retrouver à Conakry. Vous le voyez ici en compagnie de Roland Félix Moumier. Les Roland Félix Moumier et tous les UPCistes ne se seraient jamais affichés à ses côtés s'il était vraiment contre l'indépendance, comme on nous a raconté des salades. Mais lui, l'indépendance, il ne la voulait pas telle que les colons voulaient la donner aux Camerounais. Donc, l'autre jour, je vous ai parlé du fils d'André-Marie Bida, lui Tobin Bida, revenu au Cameroun. Il va ressusciter le parti des démocrates camerounais, parti de son père, pas de sa propre initiative, mais à la demande des historiques du parti. Il va jouer un rôle très important dans les villes mortes, à la recherche du dialogue, et ça va déboucher sur la tripartie. Alors, je vous raconte ça très rapidement. C'est lui-même qui en fait le compte rendu. Je trouve ça pour vous, là. Je crois que j'ai là. Alors, il raconte. Donc, il est revenu au Cameroun. Biya n'a pas de problème avec lui parce que Biya sait qu'il doit son entrée au lycée général Leclerc à son père. Et il dit, à partir de 1991, il prend des contacts et représente le Cameroun à Cotonou sans se montrer partir. Entre le début de l'année 1991 et le mois d'août 1991, des partis politiques camerounais vont être actifs, très actifs. Il y a eu la rencontre de la coordination de l'opposition au foyer de Marin de Douala au premier trimestre 1991. Des propositions de durcissement des actions sont faites par les uns et les autres. Quand on parle des actions, c'est des villes mortes. Certains vont jusqu'à proposer que la centrale électrique d'EDEA soit dynamitée ou mise en panne par tous les moyens possibles. Ça, c'est dans la logique des villes mortes. Et que le port autonome de Douala soit bloqué pour ne pas faire couler un bateau. Bon, enfin, pourquoi ne pas faire couler un bateau? Suggère certains, le port serait ainsi hors d'usage et impraticable. Les villes mortes sont devenues l'emblème de l'opposition dite radicale. La police et la gendarmerie reste cantonnée dans les casernes. La ville de Douala ressemble à une ville fantôme. Il existe partout des barrages filtrants où vous contrôlez des militants de l'UPC portant un t-shirt rouge sang, barré d'un crabe sur la poitrine. Des pneus brûlent à tous les grands carrefours. L'atmosphère est surchauffée. À la moindre étincelle, au moindre regard torve, au moindre mot de travers, tout peut s'embraser. Des hommes aux yeux injectés de sang filtre qui peut entrer au foyer de marin de Douala et qui n'y a pas droit. Quand lui, Tobin Bida, arrive enfin devant la porte d'entrée du foyer des marins, l'accès lui est refusé. Il est considéré comme une top du RDPC. Lui, Tobin Bida, est accompagné de 4 personnes autour d'eux. Un attroupement se forme. On voit des hommes agiter le poing, se taper sur la poitrine comme des gorilles, en menaçant du doigt lui, Tobin Bida et son groupe. Certains sont armés de gourdins. Les uns portent ostensiblement des poignards à la ceinture, tandis que plusieurs autres vocifèrent et leur crient des insultes au visage. Le vieux Bounongou Antoine, vice-président du Parti démocrate camerounais, qui est du Waya, dit à lui Tobi en Béti, Ndongo Abem Biazou, Ndongena Oza Oga Ongola. Traduction, c'est chaud, c'est mauvais. On ferait mieux de rentrer au village à Yaoundé. Lui, Tobin Bida leur demande de garder leur calme et fait appeler
Amenem Bielle, qui était venu à la clinique Bidar Yaoundé quelques jours plus tôt, lui demandait de participer à cette rencontre de l'opposition à Lourla. Amenem Bielle demande au Vigel de laisser entrer Luther Bimbida dans la salle. La rencontre est présidée par Monsieur Nokti Chokwago. Des tables ont été installées, formant une figure rectangulaire. Luther Bimbida se retrouve dans la salle. Il est assis entre le ministre Adamu Nandjoya et le docteur Victorin Amenem Bielle. La conférence débute. Une motion d'ordre est introduite. Un débat sur l'ordre du jour est demandé. Il dure 2 heures. Ensuite arrive la prise de parole des partis politiques où chaque leader présente son parti et doit répondre tout de suite sans hésitation à 2 questions sans nuance. Question numéro 1, poursuite des villes mortes, oui ou non? Question numéro 2, conférence nationale souveraine immédiate, oui ou non? Les associations au nom de 26 sont présentes dans la salle. Au moment de voter les résolutions de la conférence de l'opposition de Douala, il est précisé que la voix d'un représentant de parti politique vaut celle d'un représentant d'association. Certains seraient-ils pour se concerter? Il s'est murmuré dans la salle que le SDF et l'UPC, bien implantés dans la ville de Douala, ont démultiplié le nombre d'associations à leur obédience en prévision des votes des résolutions. Bel exemple de démocratie. Un seul homme s'exprime au nom du SDF, c'est Maître Bernard Mouna, affable, souriant, poli, cultivé. Vers minuit, Luther Bimbida se retrouve à prendre dans la salle réservée à cet effet un café. Il aperçoit dans un coin un homme habillé d'un costume bleu dans lequel il ne semble pas à l'aise et pour cause. Le costume est étriqué. L'homme est renfrogné. Il a le regard sombre. Et les petits détails ne parlent à personne. Luther Bimbida entend alors quelqu'un aller vers cet homme renfrogné et l'interpeller. Ni John. La conférence nationale souveraine est la seule et unique revendication durant ces débats. Les débats de la coordination ne sont pas préparés par les experts au sein des partis et encore moins entre les partis politiques de l'opposition. Le seul vrai opposant est celui qui crie le plus fort en faisant la surenchère. La situation ubuesque et burlesque, mais il ne faut pas surtout le dire. Luther Bimbida ose-t-il dire que sans analyse froide de l'état des lieux, sans stratégie bien pensée, bien élaborée et sans structure couvrant l'ensemble du territoire national, le combat politique engagé ne peut aboutir? On ne l'écoute pas. Bien au contraire, Luther Bimbida est de la province du centre. Il est Béti, Paul Biya de la province du sud. Il est Boulou. Béti et Boulou, c'est du pareil au même. Bonnet blanc, blanc bonnet. Il ne peut y avoir d'opposant chez les Béti, affirment les grands ténors de l'opposition radicale. Monsieur Mbonungu Antoine, vice-président du PDC, enseignant, vieux démocrate qui a été prisonnier politique durant des années à Mantoum, a représenté le PDC à la rencontre de Bamenda qui a précédé celle de Douala. Il a failli se faire lyncher à Bamenda quand on a su de quelle région il était originaire au Cameroun. Ce fut la première erreur d'analyse grave de l'opposition camerounaise dès 1991. Le Cameroun en paye aujourd'hui encore le prix. Des années après, Luther Bimbida est dans la salle de conférence du foyer des marins. Il va se permettre de dire à visage découvert non à la politique de la terre brûlée que veulent pratiquer certains. Il est traité de taupe du pouvoir par ceux qui ne pensent pas comme lui. Un bel exemple de démocratie pour l'opposition. Pourtant, il y a dans la salle des hommes jeunes, intelligents et brillants. Maître Tchunga, Monsieur Ndjen Kamchamini, la colère brouille les analyses. On est dans la revendication d'action immédiate. Tout appel à la réflexion, à la négociation et au dialogue est considéré comme une trahison. L'opposition est sociologiquement la plus forte, la plus représentative du Cameroun profond. Mais ces méthodes maladroites, lourdes et brutales font peur à ce même Cameroun profond. Luther Bimbida ne fait que preuve de bon sens et travaille sur la base d'une analyse politique rigoureuse. D'aucuns affirment avec arrogance que le pouvoir est dans la rue. Il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser. De nombreux anciens ministres de la République, M. Eboa Samuel, Adamu Nandjoya, Augustin Frédéric Kodok, M. Nokti Chokwago,
ancien président de la Chambre de commerce, ne font rien pour calmer cette excitation stérile, malsaine et non productive. Lui, Tobin Bida leur demande, à eux qui connaissent l'État pour l'avoir pratiqué de l'intérieur, s'ils sont capables d'être plus violents que l'État. Il leur rappelle Max Weber, l'État a le monopole de la violence légitime. Sachant qu'ils ne seront plus violents que l'État alors, pourquoi choisir la violence comme seul moyen d'action? Pourquoi provoquer un affrontement physique, un choc inégal entre la population, les forces armées et la police, qui ne se soldera que par les coups et les blessures, ainsi que la désolation des populations impliquées? Une seconde rencontre de la coordination de l'opposition se tient à Yaoundé, 2 semaines plus tard. La préparation de la rencontre se déroule chez M. Dika Akwa à Essos. Tous les grands ténors de l'opposition camerounaise de 1991 sont là. Il n'y a pas d'issue au débat. La nuit est longue, mais aucune décision commune importante ne sort de cette séance préparatoire nocturne. La réunion publique va s'éteindre non loin du CNR à Yaoundé. La résolution est prise de marcher sur le palais des Toudis, car les partis de l'opposition radicale exigent toujours une conférence nationale souveraine que le président Biya le refuse. Le PDC, par la voix de Louis Tobin Bida, plaide pour la négociation, le dialogue et recommande d'éviter l'affrontement. Dika Akwa rappelle aux uns et aux autres que le parti qui représente l'UPC a fait la guerre et qu'ils sont prêts à recommencer. Le Parti des démocrates camerounais ne veut participer à aucune violence. Louis Tobin Bida le dit et le répète. Il se désolidarise officiellement de la coordination de l'opposition dès le lendemain. Il rend visite à Jean-Jacques Kindi qui a fait une suite à l'hôtel Mumi de Yaoundé. Jean-Jacques Kindi ne dirige pas encore le parti légalisé. Il ne sait pas vraiment s'il va créer un parti politique ou pas. Il est courtisé par tous, par le RDPC, avec qui il n'a pas encore complètement rompu en sa qualité de président de la section départementale du RDPC du Voué, par Ni John Fundi, qui le connaît du temps où lui-même Fundi était président de la section départementale du RDPC de la Mésane, par Samuel Lebois, qui a le vent en poupe avec sa nouvelle UNDP, les urgences de l'UNC, par Dika Akwa, le grand cousin du village, qui réactive l'UPC qu'a connu et qui dans sa jeunesse. Et qui nie à flirter avec l'opposition radicale, mais son intelligence refuse l'adhésion à des thèses où la violence et l'affrontement sont les seuls moteurs. Lui, Tobin Bida, a beaucoup de respect pour Jean-Jacques Kindi, le polytechnicien qui a fait rêver de nombreux jeunes Camerounais pendant des années de collège. Les péripéties politiques de Jean-Jacques Kindi avec le pouvoir précédent lui sont connues. Lui, Tobin Bida, lui propose donc de prendre la tête d'un mouvement comprenant des partis politiques capables de présenter des projets politiques viables qui seront préservés la cohésion nationale et la paix civile. Et Kindi Jean-Jacques l'écoute attentivement et argumente. L'idée le séduit, mais il exige que M. Gervais Mendoza lui accorde une heure d'antenne en direct à la CRTV. Lui, Tobin Bida, répond que cela est impossible. Il a le sentiment que Jean-Jacques Kindi cherche un prétexte pour ne pas aller dans son sens. Mais non, Jean-Jacques pense vraiment ce qu'il dit. Dans la salle déjà, au CPR, on a pu comprendre par ses interventions qu'il n'est pas d'accord avec la stratégie de l'affrontement. Lui, Tobin Bida, par honnêteté intellectuelle, prend attache avec M. Famenongo, chargé de la communication à la présidence de la République. Ils se connaissent car avant de poursuivre ses études au collège de la retraite, Jacques Famenongo, comme lui, Tobin Bida, a été élève au collège Vogt de Yaoundé. Celui-ci va en parler à M. Gervais Mendoza. La réponse est négative. Cela n'est pas possible. Jean-Jacques Kindi n'aura pas l'antenne en direct pendant une heure, dit Gervais Mendoza. Lui, Tobin Bida, se dirige alors vers l'hôtel Hilton où est descendu M. Nuchi Chokwago, et lui demande de se désolidariser à son tour du groupe des partis politiques prenant la violence. Sous l'instigation de Louis Tobin Bida, l'ORD est créée, Opposition républicaine et démocratique. Dans le groupe, on retrouve M. Nsé Guillaume Apollinaire et Bézégui Célestin qui vont adhérer tout de suite à l'idée. M. Nuti Chokwago a été approché, mais il hésite. Jean-Jacques Kindi continue à exiger une heure pleine en direct sur les antennes de la CRTV si on veut qu'il rejoigne le groupe.
À l'hôtel Mumy, lui, Tobin Bida, va passer de longs moments à essayer de le convaincre sans succès. Mais Shiro Glemasaga, Ate Bangoa, Kumbin Bilik, Boyin Boyin, Anta Gasage et plusieurs autres vont se joindre au groupe. Entre-temps, les déclarations intempestives de M. Dika Akwa qui menacent de mettre le pays à feu et à sang retentissent dans les oreilles des Camerounais. Certains y accordent foi et prennent peur, surtout dans la province du centre. Des groupes d'autodéfense sont créés par M. Mandafis Ayaoundé, deux intellectuels camerounais de renom, professeur d'université, M. Hubert Mononzana et M. Sinjum Pokam se battent par articles de journaux interposés et déclinent toutes les variantes de l'ethnocentrisme. Durant cette période de surchauffe physique et mentale, le Cameroun avance à marche forcée vers la confrontation entre Béti, Anglo, Bamileke. D'autres veulent se battre et faire barrage avec tous les moyens d'État disponibles. Ceux qui connaissent vraiment Dika Akwa et la situation interne de l'opposition camerounaise savent que c'est du bluff, car Dika n'a ni les moyens, ni les hommes pour mettre à exécution sa menace. Un noyau dur du RDPC pense qu'il ne faut courir aucun risque. La riposte s'organise musclée et dure. Le groupe des durs, les faucons du RDPC, celui des gardiens du temple du RDPC de cette époque, invite Lutobi Mbida à Etokbe en présence de M. Oyenze, professeur d'université, intellectuel camerounais pourtant très affable, secrétaire général adjoint du RDPC. On le met en garde. Dis à tes amis Dika et à tous les autres que s'ils continuent, les choses vont très mal se passer et personne n'y gagnera rien. Le message est clair. À l'ambassade de France, le diplomate français Daniel Yves Topena a invité Lutobi Mbida à le rencontrer rapidement. Je tiens à vous rappeler une chose. La clôture d'enceinte d'un palais présidentiel est un symbole inviolable. Si on y touche, cela veut dire que l'on peut aussi bien sauter par-dessus le mur d'enceinte. En d'autres termes, cela signifie que le pouvoir en place a été renversé. Ils vont se défendre. Il faut faire vite, mais Dika Akwa est de retour à Douala. Il est question qu'il revienne sur ses déclarations. Lui, Tobin Bida, arrive chez Adamo Ndamdjoya à Issos et lui explique la situation. Si, tel que décidé au CPR, l'opposition radicale fait marcher la foule sur le palais de Toudi, et quand exigé par certains munis d'outils divers, alors le pouvoir va se défendre. Du sang sera versé inutilement. Adamo Ndamdjoya, qui est écouté par les principaux leaders de l'opposition radicale, réussira à faire changer cette marche d'affrontement contre le palais des Douti en marche pacifique dans le centre-ville de Yaoundé. L'ORD rencontre alors M. Sadou Ayato, Premier ministre. Des propositions concrètes pour relancer le débat politique sont élaborées. Le débat politique camerounais, à peine restauré grâce aux lois sur la liberté de décembre 1990, s'enlise déjà sur des positions figées. L'opposition radicale veut une conférence nationale souveraine. Le président Paul Biya a fait quelques semaines auparavant des déclarations qui ont heurté les Camerounais. Je suis le meilleur élève de la démocratie et je ne rencontrerai pas de dirigeants d'opposition tant qu'ils ne seront pas passés devant les urnes, déclare-t-il sur le perron de l'Élysée après une entrevue, avec le président français François Mitterrand en 1991. Lui, Tobin Mbida. Il faut préciser, Biya n'a pas dit les choses telles que le rapporte lui, Tobin Mbida. J'avais suivi sa déclaration. La déclaration exacte était « Je suis le meilleur élève de François Mitterrand en matière de démocratie ». Alors, traduction, en 1990, il y a eu le sommet de la Baule, sommet France-Afrique. Et François Mitterrand avait dit l'époque a changé. L'aide de la France, qui est ancienne, se fera plus enthousiaste à l'endroit des pays qui adapteront d'eux-mêmes les principes de la bonne gouvernance, le respect de la presse libre, le respect de l'opposition. Mais cette aide se fera plus tiède vis-à-vis des pays qui ne respectent pas ces principes. Et c'est en écho à cela qu'une année plus tard, Biya disait qu'il est le meilleur élève de François Mitterrand. Par rapport à ce que je venais de vous raconter.
Lui, Tobin Bida est désigné comme porte-parole de l'OAD. Il demande au Premier ministre de plaider pour que le chef de l'État accepte de rencontrer les dirigeants des partis politiques légalisés. Le président de la République, M. Paul Biya, a déclaré que la conférence nationale souveraine est sans objet pour le Cameroun. Sur ce point aussi, lui, Tobin Bida, demande qu'on change de formulation, mais qu'il y ait une rencontre entre l'État, la société civile et les partis politiques. Au mois de juillet 1991, le président Paul Biya accepte de recevoir les partis politiques. La majeure partie, voire tous les partis politiques de l'opposition radicale, refusent de rencontrer le chef de l'État, à moins d'être reçus tous en groupe. Lui, Tobin Bida, décide d'aller au palais de l'unité à Etudi. Il est reçu le 19 juillet 1991 par le chef de l'État, le président Paul Biya. Le président Paul Biya s'adresse à lui en ces termes. Monsieur le Président, je vous félicite d'avoir eu le courage de reprendre le flambeau politique allumé par votre père que j'ai très bien connu. Bon nombre de Camerounais, dont les parents ont fait de la politique, n'ont pas eu le même courage que vous. Je vous en félicite. La réponse de lui, Tobin Bida. Je vous remercie, Excellence, d'avoir répondu positivement à notre demande de rencontrer les dirigeants des partis politiques. Cela nous permet de vous exposer nos soucis majeurs. Pour moi qui ai vécu les actes des élections législatives d'avril 1964, étant enfant, le souci majeur de mon parti, le PDC, est de savoir que les élections législatives qui ne sauraient tarder seront libres, transparentes et démocratiques, que la refonte de listes électorales sera assurée par tous les intervenants aux élections, que les sous-préfets et préfets n'assureront plus seuls la gestion des élections au Cameroun. 1964 a traumatisé les Camerounais. Aidez-nous à réaliser des élections libres et justes. En dehors des élections, le Premier ministre M. Ayatou a dû vous parler de notre projet de réunir les partis politiques, la société civile et l'État. Car même au sein de notre tribu, dans nos villages, il est de coutume de faire asseoir les familles pour vider en public un certain nombre de pesanteurs avant de repartir sur une base nouvelle. Le président Biya intervient. Vous voulez parler d'une sorte de séance expiatoire publique d'où les uns et les autres repartent ensuite purifiés. Lui, Tobin Bida, sans pointe dans ses propos, l'ancien séminariste Biya. Lui, Tobin Bida enchaîne. C'est presque de cela qu'il s'agit, Excellence. Lui, Tobin Bida pose au chef de l'État le problème de la révision constitutionnelle, celui de la pauvreté, de la justice sociale et de la redistribution des richesses. Il évoque la question de l'expatriation de fonds. Il insiste sur une rencontre tripartite en remplacement de la Conférence nationale souveraine. Il pose le problème de la révision du statut de la fonction publique face à la corruption qui gangrenerait déjà le pays en 1991, celui de la communication sociale et de l'accès aux médias. Il plaide auprès du chef de l'État la question de la démocratie participative et de la réconciliation nationale. C'est alors que le président Biya lui pose la question qui est sa préoccupation majeure du moment. Que faut-il pour mettre un terme aux villes mortes qui sévissent en ce moment dans le pays, immobilisant l'économie nationale et détruisant des emplois? Quel est le problème? Lui, Tobin Bida répond, sauf votre respect, Excellence, le problème c'est vous-même. Les villes mortes sont la conséquence directe des disparités économiques et sociales que vous avez laissées s'instaurer dans notre pays. C'est pourquoi un certain nombre de Camerounais qui vous ont fait confiance à votre accession au pouvoir en 1982 exigent désormais votre départ. Le président Biya, sans apparemment se vexer, lui répond, quand j'ai nommé M. Nomo Ongolo, Anze Tchungi et Nsama Etienne, c'était pour remédier à cet état de choses, à ces disparités, comme vous le dites. Mais que voulez-vous, les résultats se font entendre. Le reste de l'entretien portera ensuite sur des banalités où lui, Tobin Bida, parle de sa clinique et de son travail de médecin. Au moment de se quitter, le chef de l'État déclare de but en blanc. Ils veulent tous que je parte, mais je souhaite au moins laisser la maison en ordre avant de partir. C'était le 19 juillet 1991. Plus de 30 ans plus tard, la maison n'est toujours pas en ordre. Les partis dits de l'opposition radicale vont refuser le dialogue et pratiqueront ce qui sera qualifié par tous comme politique de la chaise vide. Cette méthode aura été sans effet puisque plus de 30 ans plus tard, rien n'a bougé. Bien au contraire, l'opposition radicale semble aujourd'hui très affaiblie et sans ressources politiques. Plus de 30 ans plus tard, l'enthousiasme des populations s'est dissipé, l'engagement s'est émoussé. La combativité a disparu. L'espérance s'est éteinte. En août 1991, lui, Tobin Bida, réalise un voyage politique aux États-Unis.
il est reçu par M. Jesse Jackson et le National One Board. Il raconte l'US Aid pour Africa, etc. Alors, on continue. Lui, Toby Mila, parle, argumente, et les Américains ont entendu des sons de cloche. Il explique, sans se démontrer partisan, il sait que son rôle n'est pas de s'exprimer comme militant du PDC, mais comme Camerounais tout court. Il présente aux Américains l'idée d'une rencontre où l'État, la société civile et les partis politiques pourront débattre autour d'un certain nombre de sujets déterminants, mais nécessaires pour un nouveau départ politique dans le pays et le cheminement vers la démocratie. Lui, Toby Mbida, écoute, explique patiemment et démontre aux Américains qu'on ne peut pas balkaniser la misère, que toutes les souffrances se valent, que les douleurs du paysan du centre, du sud ou de l'est du Cameroun valent celles du paysan de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, de la Namawa, de l'extrême nord, du nord ou du littoral. Il insiste auprès de tous les responsables politiques américains qu'il croise au cours de ce voyage. Alors, mes chers amis, chacun peut se faire son idée, mais il y a la rencontre préparative dont je voulais vous parler. Il raconte, on salue tous les amis qui sont là, je vous saluerai après, et l'antenne sera ouverte pour ceux qui veulent poser des questions ou donner leur point de vue. Alors, la rencontre préparative. Deux Camerounais de la même génération que lui, Toby Mbida, même s'ils ne sont pas du même parti, travaillent avec lui pour faire aboutir un consensus politique. Il s'agit de M. Jacques Famé Nyongo et Pierre Moukoko Mbondjo. Ces deux hommes seront des véritables chevilles ouvrières au moment où il s'est agi de trouver des solutions pour que le Cameroun, au bord de l'explosion, ne s'embrase. M. Moukoko Mbondjo sera toujours prêt à écouter, à réfléchir aux voies et moyens pour faire avancer le dialogue et préparer les rencontres politiques au sommet. Il sera l'architecte de la rencontre répartie d'octobre 1991 à Yaoundé. Il lui manque cependant une juste analyse du passé politique camerounais dans son ensemble, ce qui actuera bien sûr son jugement sur le présent politique camerounais. Il a cependant une culture académique riche et sérieuse dont il saura faire usage auprès du premier ministre Sadio Ayatou. M. Jacques Famé Ndongo sera le lien initial entre les partis politiques et le premier ministre Sadio Ayatou. Cette entremise va aboutir aux rencontres entre le chef de l'État et les partis politiques. Le Famé Ndongo de cette époque laisse à lui, Toby Mbida, le souvenir d'un homme qui s'est arrondi des angles, homme de parole, loyal, efficace, intellectuellement honnête et discret. Toutes ces négociations vont aboutir à la rencontre tripartite où l'État, la société civile et les partis politiques légalisés vont débattre et tenter de trouver un consensus. Sur la table où se dirige la conférence, on retrouve le Premier ministre et une ou deux personnalités représentant le gouvernement, entre autres M. Belambapé. Les débuts de la conférence sont ardus. Certains partis politiques de l'opposition radicale ne veulent pas y assister. Avec patience, on réussit à faire venir dans la salle des conférences M. Adamu Danjoya, Amini Mbiele et Ni John Fondé. Dès le départ, très responsable, l'UNDP est présent dans la salle en grande délégation. Pendant cette période où le Cameroun est au bord de l'explosion, un homme va garder son sang-froid. M. Sadou Ayatou, Premier ministre, chef du gouvernement. Il gère cette rencontre avec brio. L'homme a de la classe. Il est aimable, fin, subtil et discret. C'est le prince, le vrai, Yerima, de Garoua. Il reçoit tout le monde avec politesse et gentillesse. Il est dans l'écoute. Il cherche des solutions pour éviter que le Cameroun ne sombre dans le chaos. Il a fait inviter tous les grands chefs traditionnels du Grand Nord, ceux de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les anciens ministres encore en vie, les anciens vice-présidents de la République. Il est là, le Lamido de Raïboba et tous les autres Lamido du Nord au Cameroun. Plusieurs Camerounais qui n'ont jamais vu de Lamido vont les voir de près à la tripartite. Il a fait venir tous les chefs traditionnels de l'Ouest, du littoral, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le chef bamiléké Njita Ngompé est présent. L'ancien vice-président de la République du Cameroun, M. Salomon Tandemouna, est dans la salle. Le groupe des 8 des assemblées des années 1955 à 1960 est dans la salle, en la personne de M. Paul Poussopo-Priso, M. Ekwabi Yewane, M. Charles Assalé. La rencontre débute. Le président Biya a quitté le Cameroun pour un court séjour à l'étranger. Dans la salle, le docteur Victorien Amini Mbiele s'est fait attendre pendant 2 ou 3 jours. Mais quand il arrive enfin dans l'enceinte du palais de congrès qui accueille cette auguste assemblée,
La température monte, le ton change, les choses se gâtent. Monsieur Arménien Bieuleux exige que les décisions prises par la tripartite aient force de loi. Il veut pratiquement une constituante. Dans la salle, Monsieur Paul Sopo-Preso, vieux renard de la politique, a compris. Il emboîte le pas à Arménien Bieuleux. Le père Tandemona fait pareil. Monsieur Kadji Defosso, que les Camerounais connaissaient essentiellement comme un grand commerçant, sort de ses gonds. Il accuse pêle-mêle l'État, le gouvernement et le RDPC. Il veut que les choses changent vite. Il est d'accord avec M. Arménien Bieuleux, même s'il n'utilise pas le même vocabulaire que lui. Normal, Arménien est docteur en sciences politiques et le vieux Kadji ne l'est pas. Pour calmer le vieux Kadji Defosso, on le menace de mise en demeure et des règlements immédiats de tous ses arriérés d'impôts. Il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Alors si l'argent n'intéresse plus le vieux Kadji Defosso, c'est que la situation est grave. Le père Tandemona est tellement en colère qu'il fait un malaise dans la salle. C'est la panique. Un frémissement commence à courir dans la salle. Le vent de panique n'est pas loin. Monsieur Bolo Roger, colonel de l'armée camerounaise et aide de camp du chef de l'État, est présent dans la salle. En civil, de petite taille, il passe presque inaperçu. Derrière ses lunettes noires qui ne quittent jamais, même en pleine nuit, il est l'œil de Moscou. Il ne dit rien, mais prend note. La température monte, Arménien Bieuleux, Paul Sopo-Preso, Kadji Defosso, le père Tandemona, ont foutu le bordel. Alors Bolo Roger, la cape, s'approche de certains et leur demande discrètement. Ne pensez-vous pas qu'il faut appeler le patron? Paul Biya, son patron, est toujours à l'étranger. Il a transformé le court séjour en long séjour. Monsieur Emma Basile, membre du comité central du RDPC, délégué du gouvernement auprès de la commune Hubert de Yaoundé, est dans la salle, inquiet. Une rencontre secrète devant réunir les seuls RDPCistes, Betty de la tripartite, est prévue à 21h à l'hôtel de ville de Yaoundé. Au dernier moment, quelqu'un s'est ravisé dans le groupe et on demande à lui, Tobin Bida, du PDC, de se rejoindre au groupe. On apprend que le général Assaut n'y est pas allé par quatre chemins. Il a positionné l'armée sur deux cercles. Si le premier cercle de défense lâche, le second ne se dérange pas. En tout cas, c'est ce qui est prévu. On connaît le général Assaut Emané, bel homme, très mondain, fier de sa personne. Il fait semblant d'aimer que la fête, les belles femmes, les belles tenues militaires, les beaux costumes et les belles voitures, mais c'est un dur. Un sauvage quand on le provoque. Il peut devenir dangereux. Certains commencent à penser sérieusement à quitter discrètement le pays, très discrètement. On consulte les livres de géographie des écoliers pour identifier le chemin le plus court entre Yaoundé et la frontière la plus proche. C'est tout et n'importe quoi dans le microscope politique, politico-commercial de Yaoundé, en tout cas au sein de celui qui craint de perdre quelque chose si les équilibres sont rompus. À 21h, le délégué Emma Basile débute la séance restreinte en ces termes. Abe Kebidi Marmala. Traduction, la situation est grave, c'est une catastrophe. Sadou Ayatou veut prendre le pouvoir. Il maîtrise tout dans la salle et on n'écoute plus que lui. Il suffit qu'il cède devant les revendications des Arméniens et autres et nous sommes morts. Fini. Ils sont tous devenus fous là-dedans. Le président Biya dit non à la conférence nationale souveraine. Ce qui est en train de se préparer risque de devenir encore pire si l'idée de transformer cette assemblée en constituante est adoptée, d'autant plus que l'assemblée sortante, issue du parti unique, est en train de s'auto-dissoudre. Nous n'avons pas les participants bêtis de la génération des Tandemona, Sopo-Preso et Kadji Defosso pour argumenter contre eux. Fermez les guillemets. Monsieur Clément Obofegue, inamovible directeur général de la SNEC, sera l'un des premiers à prendre la parole. Emma Vobegi Ndunda Ezokbo. Traduction, Emma, calme-toi. C'est aux bêtises de revendiquer une conférence nationale souveraine en premier, quand en réalité, Bissoua Alfo Bisou. Traduction d'une locution courante bêtise. Nous venons, nous disons. Les bêtises n'ont bénéficié de rien depuis la session au pouvoir de Paul Biya. Le délégué répond. Tege Obofegue, Iba Kalkobonala. Traduction. Non Obofegue, on ne parle pas ainsi. Monsieur Jérôme Ono Mimboy, qui est présent dans la salle, fera la remarque que la réunion se tient dans une salle au premier étage, côté route de l'hôtel de ville Yaoundé, endroit public ouvert à tous les regards. L'évêque suggère à Monsieur Emma Basile d'organiser ses rencontres à son domicile, car il n'apprécie pas la tournure que prennent les événements. Il est Camerounais, homme d'église. Il n'accepte pas les propos qui se tiennent de part et d'autre. Tous les participants au nombre de 15 se retrouvent chez M. Mabazir à Etitac.
une personne est désignée pour aller s'entretenir à Gayatou. Ce sera le délégué Imabazi lui-même. L'esprit de la tripartite est remodelé dès cet instant. L'adoption par le vote des résolutions de la tripartite sera enterrée dès ce moment. Le consensus devient le maître mot de cette conférence. Les partis politiques demandent que, sur la table où se dirigent les débats, aux côtés de M. Sadou Ayatou, un représentant des partis politiques et un autre de la société civile soit présent. Lutobi Mbida est désigné par les partis politiques et Mme Nicole Klein-Doko représentera la société civile. Ce qui est resté de la tripartite, c'est une loi électorale qui est en cours aujourd'hui encore au Cameroun. La majorité relative est adoptée. La commission qui va travailler sur la loi électorale est dirigée par le ministre Eyebe Aïssi Henry. On y retrouve M. Njitak Ngompe, M. Issa Tchirouma, M. Bipo, M. le vice-président du SDF, M. Lutobi Mbida rapporte la commission, M. Aïssi Vodovitor et bien d'autres en font partie. Cette loi n'est pas parfaite, mais elle sera l'œuvre de la tripartite. Toutes les autres recommandations faites lors de cette rencontre déterminante resteront lettre morte. Il sera suggéré une véritable décentralisation, une refonte de la Constitution répondant aux besoins politiques, économiques et sociaux d'un pays moderne et démocratique. Le grand débat sur la Constitution qui aurait dû suivre la tripartite se transformera par la voix de M. Augustin Kontio-Komeni en large débat et aboutira à une rencontre en comité restreint dans une salle exiguë de l'immeuble Étoile, siège du Premier ministre, qui fera naître la Constitution étriquée et corsetée de 1996, revue et corrigée par le président Biya en avril 2008. En janvier 1992, Lutobi Mbida participe comme candidat à ses premières élections législatives. Une réunion discrète s'est tenue à Bastos, au domicile d'une Camerounaise d'environ 55 ans, qui vit à cheval entre Yaoundé et Paris. Sont présents dans la salle M. Ndiaye Molé, M. Oyenze, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint du RDPC, et en civil, le général Pierre Semengue. Il est demandé par M. Ndiaye Molé à Lutobi Mbida de ne pas présenter des candidats dans les zones dites sensibles pour le RDPC. Lutobi Mbida est surpris par la démarche et refuse. Il répond à M. Ndiaye Molé que le PDC, Parti des démocrates camerounais, se présentera partout où il compte des militants. Le PDC obtient officiellement 57 000 voix. Il n'a droit à aucun député, selon l'administration territoriale. M. Achidi Achou, qui en a eu 3 000, entre à l'Assemblée nationale et se voit confier le poste de Premier ministre. M. Sadou Ayatou, militant du RDPC, artisan de la paix, est remercié car l'UNDP a raflé tous les postes de députés dans le Grand Nord. Lutobi Mbida respecte la paix républicaine et s'incline devant ce verdict inique. Une bataille est perdue, mais la lutte continue. Pour enfoncer le clou, le RDPC organise une campagne de dénigrement, de déstabilisation et de désinformation contre la personne de Lutobi Mbida. Le bruit est répandu par le RDPC que Lutobi Mbida a vendu des voix des électeurs. La technique permettant de vendre des voix électorales est connue des seuls détracteurs de Lutobi Mbida. Il est important de rappeler ici en insistant que Lutobi Mbida n'a jamais vendu de voix. Il ne faut jamais oublier que les résultats des législatives de 1992 dans le département d'Aveke furent les derniers de toutes les circonscriptions électorales à être communiquées. Certainement parce que l'administration territoriale avait eu à prendre tout son temps pour marcher et trouver les voies et moyens de fausser les résultats de cette élection. Tout comme cela s'était déroulé aux législatives de 1964 avec Mme Bida Marguerite, l'administration territoriale n'a pas demandé à Lutobi Mbida son autorisation pour lui voler cette victoire politique. L'administration territoriale a tout simplement confisqué au PDC sa victoire. Le RDPC n'a jamais accepté et n'acceptera jamais que dans les provinces du centre, du sud et de l'est, une force politique différente s'installe et se développe, sauf si le peuple lui-même, par un sursaut démocratique massif, ne se libère de cet étau. Les populations des provinces du centre, du sud et de l'est du Cameroun sont otages d'un système politique et d'un parti politique qui les utilise sans leur consentement à des fins personnelles, ne servant que les intérêts d'un groupe particulier d'hommes et de femmes qui ont perdu toute notion de morale et de partage. Seul compte pour ces hommes-là la domination des autres, l'accumulation des richesses mal acquises et le déni de toute expression politique, libre en mesure de provoquer une véritable alternance, gage d'une amélioration des conditions de vie des populations camerounaises. Le groupe de Bankolo Le groupe de Bankolo
d'autres échéances politiques sont en gestation pour la fin de l'année 1992. Face à l'émiettement des forces politiques en présence, Luitto Bimbida reprend son bâton de pèlerin et réunit en Bankolo de nombreux partis politiques. Le groupe de Bankolo est né grâce aux journalistes Jean-Marc Tendi, Anne-Marthe Voto, d'Africa No. 1, Jean-Marie Somba, Jesse Atogo, Epsingum, etc. de la CRTV, Isaac Jikafwe, Jifakwe de RFI, Lupol Ezibi de Cameroun Tribune, Severin Tchunk de la Nouvelle Expression, Puzin Djawe et Montuna du Messager, M. Ombenzana de Génération, Jean-Baptiste Sipa. On ne saurait les citer tous, le groupe Bankolo se fait connaître dans le pays et hors de nos frontières. Il s'agit pour le groupe Bankolo de choisir librement et démocratiquement un candidat entre Paul Biya, Ni John Fondi, Bello Bouba Margari et Adama Dandler. Les contacts sont établis avec les partis politiques concernés. Il faut, quel que soit le cas, un candidat unique à tous nos partis. C'est le maître mot de Luitto Bimbida. L'UNDP, le RDPC vont réagir rapidement. Mais le discours de Bello Bouba Margari, président de l'UNDP, n'est pas ouvert. De nombreuses zones dont persistent dans son projet qui inquiètent et angoissent ceux qui l'écoutent. Luitto Bimbida, qui a été reçu avec beaucoup d'amitié par Bello Bouba Margari à Garoua, lors du congrès de l'UNDP, Ori Badou lui en parle, mais Bello semble ne pas prendre ses avertissements au sérieux. Monsieur Damondam Joya va se présenter devant le groupe de Bankolo, mais là non plus, en dehors de ses références tournant autour de ses qualités de rigueur quand il était ministre de l'Éducation nationale, il y a peu de choses à retenir de son discours et de son projet politique. Il parle d'une période de transition dont personne ne comprend ni l'intérêt ni l'agencement. Le discours est nébuleux. L'homme paraît timide quand il parle. Tous respectent sa probité, mais il n'emporte pas l'adhésion. Alors mon homme Dieu mérite le respect de tous, mais il est aérien, trop aérien. Le RDPC pragmatique a compris les enjeux que représente le groupe Bankolo. Ce parti va envoyer au contact du groupe M. Ouna Grégoire. Mais Ouna Grégoire n'est pas un politique, c'est un commerçant de la pire espèce. Il est faux, menteur, hableur, tordu, roublard, vicieux et pervers. Il a dû commencer par voler des bonbons quand il était enfant, cet homme. Un tel concentré de malfaisance et de nuisance ne peut partir que de très loin. Bref, c'est un pauvre type. Il ne croit qu'à la richesse de l'argent ainsi que des biens matériels, alors que la vraie richesse est dans le respect des valeurs universelles d'honnêteté, de probité, de dignité, de solidarité, de partage, de respect de l'autre, de soi-même et de la vie. Le groupe de Bankolo ne sait pas encore qui est Grégoire Ouna. Il va le découvrir. Le groupe de Bankolo a eu à peine une première entrevue avec Grégoire Ouna que déjà ce dernier annonce des comptes de vérité sur les ondes et les journaux de la place. Il déclare à qui veut l'entendre que la majorité présidentielle est née en Bankolo, que des accords ont été signés avec les partis concernés. Les militants n'en croient pas les oreilles. Luitto Bimbida leur a tellement parlé de la démocratie participative qu'ils sont convaincus qu'on s'y achemine, que l'aboutissement est proche. Tous sont convaincus que le système accepte enfin de partager le pouvoir. Les autres leaders auxquels la porte n'a pas été fermée, malgré les secrets signalés, sont convaincus que des accords ont effectivement été signés entre le groupe de Bankolo et le RDPC. Ni John Fundi envoie malgré tout comme émissaire M. Aminim Bialu, qui vient proposer une profusion de postes ministériels aux uns et aux autres. Le groupe souhaite rencontrer M. Fundi en personne. M. Fundi hésite à se déplacer jusqu'en Bankolo, tel que l'ont fait M. Bello Bouba Margari et M. Adama Dandler. Il est annoncé à Etoukbe. Le groupe l'attend toute une nuit, mais il ne vient pas. Le groupe d'en Bankolo lui fait savoir qu'il est prêt à le rencontrer partout où il le souhaitera au Cameroun. Cette rencontre n'aura pas lieu. L'arrogance de Fundi, qui n'est pas encore chef d'État, dérange et inquiète. Il perd définitivement son crédit chez la majeure partie de ceux qui auraient pu croire en lui à cette occasion. C'est alors qu'au sein des partis politiques réunis en Bankolo, la base est interrogée à son tour. La majorité va au candidat Biya. Luitto Bimbida va rencontrer des hommes de pouvoir pour finaliser en bonne et due forme des accords politiques. Défile tour à tour en Bankolo, M. Famine Dongo, des représentants personnels de M. Joseph Charles Ndumba, Pierre Moukoko Mbonjo, Ouna Grégoire et Rémi Nzemeka,
Mais cet homme, Rémi Zemeka, est un psycho-rigide. Au-delà des discours d'intention, rien ne se concrétise de la part du NDPC. Les élections présidentielles ne sont plus qu'à 2 semaines. M. Grégoire Ouona arrive en Bankolo avec une mine de conspirateurs. Il chuchote. Ça y est, on y va. On vous attend au comité central pour signer la plateforme commune de gouvernement. Arrivé au comité central dans la salle, lui, Tobin Bidia, est entouré de ses camarades du PDC. M. Aïssi Kouna, Angelbert, et quelques autres, car les groupes ont été scindés en deux. Le Parti des démocrates camerounais est reçu par M. Ouona Grégoire et Pierre Mkoko Mbondjou, tandis que Anta Gassagé, Ateba Ngoa et d'autres seront reçus par M. Bélan Mbappé, chez les pères bénédictins au Mont Fébé, quelques jours plus tard. C'est une erreur de stratégie de la part du groupe de Bankolo. Lui, Tobin Bidia, le reconnaît aujourd'hui encore. Au début de la rencontre au comité central du RDPC, M. Grégoire Ouona, qui a reçu le document du PDC des semaines auparavant, fait semblant de ne le découvrir que sur le moment. Il lit et relit le document portant la plateforme commune telle que rédigée par le PDC en silence. Au bout d'un instant, il déclare qu'il a des consignes à prendre en haut lieu. On est dimanche. Il n'y a pas de circulation abondante. La rencontre a débuté vers 9h30 du matin. Il est 10h15 quand Ouona Grégoire quitte la salle. À 11h30, il n'est pas de retour. À 12h30, il n'est toujours pas de retour. À 13h30, M. Mkoko Mbondjou, qui est resté à attendre, avec le groupe, montre des signes d'inquiétude. Lui, Tobin Bidia, déclare à son groupe qu'il s'agit d'un acte important. Ils vont attendre encore jusqu'à 14h30 et quitter les lieux. Et partant du palais des congrès, lui, Tobin Bidia, se dirige tout droit au lac où habite le premier ministre, Achidi Achou. Et lui, Tobin Bidia, se retire dans le bureau privé du premier ministre. Tobin Bidia exprime son étonnement par rapport au comportement de M. Ouona Grégoire. M. Achidi Achou explique à lui, Tobin Bidia, qu'il a reçu pour seule consigne du chef de l'État de signer un accord qu'avec un seul parti politique, l'UPC de M. Tukodok. Lui, Tobin Bidia, quoique sans accord, écrit, estime avoir un contrat moral. Les militants du PDC ont demandé de voter pour le président Biya. Alors ils vont battre campagne pour faire élire le président pour Biya. Après la proclamation des résultats des élections présidentielles de 1992, de nombreux Camerounais s'attendent à retrouver Tobin Bidia au gouvernement. Tobin Bidia. Il n'en est rien. En décembre 1993, Tobin Bidia a croisé Grégoire Ouona chez M. James Onubiono au cours de sa traditionnelle et grandiose fête de fin d'année. Il lui pose la question. Grégoire, je t'en veux pas. Je souhaite tout simplement comprendre ce qui s'est passé. Tu nous as laissé seuls, mon équipe et moi, dans un bureau du comité central. Depuis lors, je n'ai plus eu aucune nouvelle de toi. Grégoire Ouona est gêné, mais n'ayant pas d'autre issue, il répond. Un lui, Tobin Bidia, puissant à la tête d'un PDC fort, c'est la mort assurée du RDPC qui prend ses racines dans les provinces du centre, du sud, de l'est. Exactement là où le Parti démocrate camerounais prit naissance, dans l'ancienne Union et Sénégal dans les années 50. Lui, Tobin Bidia, le savait, puisqu'en 91, au cours d'une rencontre discrète à la Cité Verte chez Madame Tinan Kouassimon, ayant précédé la législation du PDC, l'égalisation du PDC, M. Joseph Ouona le lui avait déjà signifié. La rencontre à la Cité Verte, chez Madame Tinan Kouassimon, haut fonctionnaire du ministère des Finances, rencontre organisée à la demande de M. le ministre Joseph Ouona avait pour but de demander à lui, Tobin Bidia, de ne pas faire légaliser le PDC. Si le PDC renaît, le RDPC est mort, car partout ailleurs dans le pays, les sous-préfets, les préfets, les hommes d'affaires à l'affût des marchés d'État et les fonctionnaires véreux, ayant quelque chose à se reprocher, sont les seuls vrais représentants de ce parti. Un envoyé personnel de M. Joseph Chandumba, secrétaire général du RDPC, se présente au domicile de lui, Tobin Bidia, en Bankolo, et lui fait savoir qu'analyse faite, le RDPC pense que ce qu'essaie de faire lui, Tobin Bidia, en philosophie, c'est de l'entrisme, intégrer les lieux pour les transformer et se les approprier de l'intérieur. Le message est clair, les masques tombent. Les seuls qui ne veulent pas comprendre quelles sont les véritables relations politiques entre lui, Tobin Bidia, et le RDPC sont les représentants de l'opposition dite radicale et des populations mal informées sur les enjeux politiques au réel du Cameroun.
Alors, chers amis, vous voyez la mentalité du RDPC. C'est un parti de roublard. Je vous lis ça à dessein. Il dit que il n'a pas compris l'attitude de Bello Bouba Magari. Bello Bouba Magari, pour les plus jeunes, a été premier ministre. C'est le tout premier premier ministre de Paul Biya. Quand Paul Biya avec Ahidjo. Ahidjo, homme du Nord, démissionne. Il laisse le pouvoir à Paul Biya, homme du Sud. Paul Biya, président homme du Sud, il nomme premier ministre Bouba Bello Magari, homme du Nord. Dosage régional. Mais ce que les Camerounais ne savent pas, quand Bouba Bello Magari va en exil, il n'a jamais rompu le contact avec avec Biya. Il était en exil au Nigeria. Biya lui envoyait de l'argent. Il y a des mois où on lui envoyait jusqu'à hauteur de 60 millions de francs CFA. La femme d'Ahidjo était en contact depuis Dakar avec avec certains anciens ministres de son mari. Donc, il était question de créer un parti politique. Le RDPC est né sous les cendres de l'UNC. Donc, on voulait recréer l'UNC. Quand arrive le multipartisme, les Camerounais sont nostalgiques d'Ahidjo. C'est-à-dire que Ahidjo a quitté le pouvoir en 82, il est mort en 89, nous sommes 90-91, le Cameroun est percuté de plein fouet par une crise économique sans précédent. Les Camerounais ont la nostalgie d'Ahidjo. Les plus jeunes qui ne l'ont pas connu, on leur rapporte c'est l'épopée d'Ahidjo, son époque. Donc, Paul Biya est très très impopulaire. Donc, il faut créer un parti qui rappelle Ahidjo. On veut créer l'UNC. On dépose les statuts. On rejette. Donc, on va faire l'UNDP au lieu de l'UNC. Pour le Congrès, on a envisagé que ce parti allait être co-dirigé par la fille d'André Marimbida et Aïssi Vodovitan. On a loué la salle à Douala, les participants sont là. Au dernier moment, Aïssi Vodovitan n'est pas là, on l'a menacé. La fille d'André Marimbida n'est pas là. On est en train de lancer le parti. Madame Ahidjo est à Paris. On appelle dans la salle. À partir de 15h, Aïssi Vodovitan n'est pas là. 18h, 19h, 20h, 22h, elle n'est toujours pas là. Même chose pour la fille de l'ancien Premier ministre. Madame Ahidjo demande si Samuel Eboana est dans la salle. On lui dit oui, Samuel est bon dans la salle. Il dit, passez-le-moi au téléphone. Il lui dit, Samuel, écoute, prends le truc. C'est comme ça que Samuel Eboana va devenir président de l'UNDP. C'est un parti qui a beaucoup de militants. Ils vont rafler tous les sièges au nord, etc. Mais Paul Biya, qui, depuis l'exil, parce que il y aura eu des engueulades entre Bouba Bello Magari, que Madame Ahidjo, par erreur, prenait pour le fils de son mari, fils spirituel, ça s'entend. Il y aura des engueulades au téléphone entre Madame Ahidjo et Bouba Bello Magari. Et Madame Ahidjo est très radicale, elle est amère, parce que bon, le corps de son mari est à Dakar, Biya n'a pas fait communiquer rien, pas du tout. Donc, elle est très très amère, et elle est radicale. Elle parle à Bouba Bello Magari. Ce dernier lui dit, oui, mais vous êtes à des milliers de kilomètres, vous ne connaissez pas les réalités, etc. Donc, Biya fait revenir Bouba Bello Magari des îles. Pour prendre la tête d'un parti politique, il faut résider au Cameroun pendant un certain temps. Mais on va ramener ce critère
au nombre d'années, au nombre de temps qu'a passé Boubabel Omagaré au Cameroun. Parce que Boubabel Omagaré, depuis le début, c'est une taupe. Biya l'encourage, on lui donne de l'argent et il convoque un congrès extraordinaire à Garoua, du parti dont le président était Samuel Eboua. Mais Samuel Eboua et les autres ignorent que Boubabel Omagaré est une taupe. C'est pour ça qu'ils acceptent le congrès. On fait le congrès, on débarque Samuel Eboua, on ouvre le champagne à Etoudi parce qu'on est content, le coup est en train de marcher. Et on donne le parti à Boubabel Omagaré. Et dès lors, il va agir sous la dictée d'Aïdjo. Le SDF a fait l'erreur de ne pas aller dans la foulée de sa victoire confisquée à l'élection présidentielle. Le SDF a fait l'erreur de ne pas aller à l'élection législative qui a suivi. Parce que si le SDF était allé à l'élection, il allait rafler des voix. Et faire une coalition d'opposants et imposer une cohabitation au RDPC. Ça n'a pas été le cas. Boubabel Omagaré, John Fuldi, à l'époque, on ne savait pas qu'il était devenu lui-même une taupe. Parce que quand vous lisez les mémoires de Guy Pen, ancien monsieur à fête de l'Élysée, il dit qu'on met carte sur table à Fuldi, on commence. Parce que le domicile de Fuldi est encerclé à Bamenda. Il y a plus de 277 personnes là-bas, les conditions hygiéniques sont terribles. Il faut amener certains, il y a des vraiment en prison, etc. Bongo va dire à Aïdjo, vous voyez le lapsus, Bongo va dire à Biya, Paul, ce type-là, ce n'est pas un opposant. Voilà. Un type comme ça, ça se calme avec un Marocain, un poste ministériel ou de l'argent. Mes services m'ont dit qu'il était dans ton parti. Il a été battu lors d'une primaire par ton premier ministre, qui est son cousin. Les deux sont de Santa. D'ailleurs, leurs maisons sont à quelques encablures proches, à Santa. Donc, un type comme ça, tu n'as pas besoin de lui faire la publicité. Donne-lui un peu d'argent et tu vas le calmer. Donc, quand John Fuldi refuse d'aller aux élections législatives en 92, il est devenu une taupe. Tous les mois, il a 60 millions de francs CFA. Ce sont des négociations de Bongo. Mais ça, les Camerounais ne le savent pas encore. Boubabel Omagaré, qui lui-même est une taupe, qui recevait de l'argent quand il était en exil au Nigeria, travaille pour le compte de Paul Biya. Oui, Achille Achou, le premier ministre, oui, je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est Achille Achou, Simon Pierre, c'est Achille Achou, qui est de Santa, ils sont des voisins là-bas. Donc, les Camerounais ne sont pas au courant de ces questions. On dit, voilà, John Fuldi a boycotté l'élection, etc. Ndamjoa va le pousser un peu, les deux hommes seront des ennemis. Mais à partir de ce moment, John Fuldi est acheté. Parce que Bongo a dit à Idio Paul, c'est pas la peine de le faire encercler. Tu es en train de le hisser. C'est qui celui-là? C'est un lugubre libraire. Voilà, qui vit d'expédients. Mais tu es en train de lui donner un statut d'homme d'État. Tu lui fais de la publicité. Un type comme ça, il se calme avec un poste ministériel ou avec un peu d'argent. Tu verras, donne-lui un peu d'argent, tu verras, il va te lâcher les baskets. Donc, Bello Boubamagaré, qui était au Nigeria, était protégé par Paul Biya. Il recevait beaucoup d'argent. Il va se brouiller avec Madame Aïdjo parce que lorsque les services secrets, les gaullistes vont informer Madame Aïdjo à Dakar que non, celui-là, il a été acheté. Donc, c'est même pas la peine. Donc, on le fait revenir. Les Dakolé d'Aïssala, Dakolé va avoir quelques voix, son parti. Il va faire la coalition avec le RDPC. Mais le RDPC sait que les 68 députés de l'UNDP lui sont acquis. Donc, c'est de ça que parle Luto Bimbila lorsqu'il dit qu'ils ont fait un groupe, le groupe de Mbankoulou, où ils ont auditionné tous les partis politiques. Parce que eux, ils veulent faire une plateforme de gouvernement avec un parti. Il faut des accords. Fuldi ne vient pas. Ils disent à Fuldi que si c'est loin, Mbankoulou, nous sommes prêts, nous sommes disposés à vous rencontrer partout au Cameroun. Il vient jusqu'à Etoubéga, il ne vient pas. Et il a pris de l'argent.
C'est à partir de ce moment qu'on commence à lui donner, dans un premier temps, on va lui donner 60 millions de fois. À un moment, on commence à lui donner 250 millions de francs CFA à l'année. C'est Bongo qui raconte ça aux Français. Bobabelo Magari, c'est pareil. Et en tout temps, vous avez des enfants, des gens dans la rue. Il y a des enfants qui sont morts, qui ont reçu des balles perdues à la faveur des villes mortes. Et ça va se répéter pendant les émeutes de la faim en 2008. Beaucoup de jeunes vont perdre la vie. Donc Bobabelo Magari, il est au Nigeria, mais il n'a jamais rompu les apparts avec Paul Biya, qui est son financier. Au moment où nous nous parlons, il est au gouvernement. Je discutais l'autre jour avec des amis qui me disent que voilà, si ces gens-là demandent que les jeunes votent. Mais non, il y a un divorce, une rupture entre l'élite du Nord et le peuple, les populations du Nord. Vous allez au Nord, c'est le coin le plus défavorisé. Mais les élites vivent coupées des réalités du peuple. Excusez-moi. Jacques Foccart le dit dans ses mémoires. Jacques Foccart dit que Paul Biya se maintient au pouvoir en sémant la zizanie au sein de l'opposition avec de l'argent. Et il y avait un ambassadeur de France qui, au moment de faire valoir ses droits à la retraite, a juste traversé la rue, avait armé bagages, allé s'installer à Etoudi. C'est lui l'architecte de la destruction de Villemorte. Il a été ambassadeur, il venait de Guinée. Il est installé, c'est lui qui conseille Biya et tout ce que vous voulez. S'appelle Omez, quelque chose comme ça. Si vous connaissez son nom, écrivez-le là, pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Donc, c'est un jeu de dupes. Lui, il revient. Ce qui m'intéresse d'ailleurs, lui, Tobin Biya, qui est allé faire ses études à l'étranger, qui revient au Cameroun. Il a une clinique et les partisans de son père le supplient de reprendre le parti, le PDC, le Parti démocratique camerounais, qui était né dans l'ancienne Nyon et Sanaga. Mais on lui fait miroiter les choses, on veut pas de lui. Parce que si il occupe un poste, ne serait-ce que conseiller municipal, c'en est fini pour le RDPC. Parce que les gens de la Leki qui connaissent la politique savent que le RDPC, c'est le transfuge de l'UNC, le parti d'Aïdjo, qui avait maltraité leur fils André Marie Bida. Paul Biya, c'est ça. Donc, on fait tout. Vous voyez les méthodes de ce parti, les méthodes de voyous. On dit, voilà, on a signé des trucs. Comment on l'appelle, Grégoire, où on avait dit que oui, on a signé, alors qu'ils n'ont pas signé. C'est ce qu'ils font. On donne des rumeurs, on dit, voilà, il a pris de l'argent, il a vendu des voix. Pas du tout. Ce sont des méthodes de ce parti. Et c'est ce que j'ai dit aux compatriotes. Vous ne pouvez pas aller aux élections avec des tricheurs. Je vois beaucoup de jeunes qui le disent naïvement, mais ils sont de bonne foi, qui disent « inscrivez-vous massivement sur les listes électorales ». Vous perdez votre temps. Laurent Gbagbo, souvent le président Gbagbo dit « l'élection dépend de qui dit le résultat. Le vote dépend de qui dit le résultat. » Vous allez voter, vous allez aux élections avec des tricheurs. Mais c'est comme si vous voulez discuter recette de cuisine avec un anthropophage. Quand vous allez lui dire que vous faites le condré, ou bien vous faites le pème, ou le ndolet, ou de coquilles, lui vous dit que lui mange les tibias des gens. Lui mange les intestins des bébés. Parce qu'un anthropophage, c'est ce qu'il fait, il mange la chair humaine. Donc si vous voulez discuter recette de cuisine avec un anthropophage, attendez-vous à entendre les choses désagréables. Donc si vous allez aux élections, vous allez aux élections avec un tricheur, ben c'est ce qu'il sait faire. Il va tricher. Parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Le moment venu, parce que j'ai dit à mes amis étrangers, ceux qui ne sont pas camerounais, qui disent que le peuple camerounais est un peuple passif, adepte de... ou alors patient de syndrome de Stockholm, la soumission volontaire, je leur ai dit non, les Camerounais ont payé un lourd tribut depuis l'époque coloniale. La semaine prochaine, je vous parlerai de Douala Mangabel dans les moindres détails. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Vous allez voir comment ce peuple a été massacré, génocidé, d'abord par les Allemands,
la maltraitance dont ce peuple a fait l'objet. Donc, les Camerounais ne sont pas des lâches. Ce sont des gens qui se sont battus, mais qui ont payé un lourd tribut au régime colonial, parce que le régime que nous avons au Cameroun, c'est un régime d'inspiration coloniale. La façon dont on gouverne les Camerounais, ce n'est pas différent de ce qu'on avait vécu sous les colons. Vous voyez l'État, vous voyez un truc comme le CERF, c'est un camp militaire. Vous voyez comment on enferme les gens là-bas dans des conditions complètement inhumaines. Même mon chien, je ne l'enfermerai pas là-bas. Donc ce peuple, on va pas... Je ne me permettrai pas de parler mal de ces gens parce que ce peuple a donné, a payé un lourd tribut depuis les Allemands, les Français, les Britanniques, le régime de l'Aïdjo, celui de Paul Biya. Donc, on ne va pas leur dire d'aller au charbon, mais il faudra trouver un moyen. Il faudra trouver un moyen de dégager ces gens. Alors, je vous mets le numéro, pour ceux qui souhaitent appeler, je mets le numéro, j'attendrai quelques instants, s'il n'y a pas d'appel, ben, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine et on parlera de Oumiobé, parce qu'il fallait évacuer. Il fallait évacuer. Je vous mets le numéro.
Alors, à cette époque, j'ai ouvert l'antenne. Hein. Ceux qui veulent appeler, appellent. Le numéro est là. Alors, à cette époque, mes chers amis, il y avait une campagne quand André-Marie Mbida, je vous ai dit qu'il ne voulait pas l'indépendance comme la voulaient les colons. Et on a payé les journaux, comme ça se fait aujourd'hui. Je vais vous lire quelques passages. Ils ont payé les journaux pour l'attaquer. Alors, je vous retrouve ça. Les journalistes à gages, on en avait déjà à l'époque. Alors, Monsieur André-Marie Mbida revient au Cameroun. Il adresse un télégramme pendant qu'il est en exil à Conakry. Je vous ai dit qu'il était en exil d'abord au Libéria. Il n'est pas resté longtemps. Il est venu à Conakry. Vous le voyez là-bas avec Moumié. On dit le dernier chapitre. Voilà. Après avoir adressé sa lettre télégramme en décembre 59 à Claude Akono, dans laquelle il donnait des gages écrits de son renoncement solennel à la violence, afin de répondre positivement à l'une des conditions formulées par Ahidjo pour son retour. Parce que Ahidjo ne veut pas qu'il revienne, mais il faut qu'il prenne des gages pour dire qu'il renonce à la violence. Quand Ahidjo parle de violence, ça dit qu'on ne doit pas le contester, c'est ce qu'il veut dire, ce que ça signifie dans son langage. L'une des conditions formulées par Ahidjo pour son retour, André-Marie Mbida, tu attends le 4 mars pour rejoindre son pays. Ce délai de plus de 2 mois ne peut s'expliquer que par le fait qu'en décembre 59, le gouvernement Ahidjo estimait que les conditions favorables n'étaient pas encore réunies pour autoriser le retour du leader des démocrates camerounais. Cette évidence nous permet de dire que si le départ de Mbida du Cameroun en janvier 59 n'était pas volontaire, dans une certaine mesure, son retour était lié à des contraintes. Et par conséquent, c'était à tort qu'on qualifiait son exil en Guinée des îles volontaires. Les conditions d'un retour. Le retour d'André-Marie Mbida au Cameroun. Le retour d'André-Marie Mbida de son exil de près de 13 mois en Guinée était soumis à 2 conditions préalables. L'aboutissement positif du programme politique mis au point par le gouvernement Ahidjo et l'importance des preuves de bonne volonté administrées par André-Marie Mbida pour convaincre Ahidjo de sa renonciation effective à toute association avec l'UPC. Au lendemain des festivités marquant la cession du Cameroun à l'indépendance, Amadou Ahidjo, qui avait promis d'organiser des élections législatives après cette échéance, devait honorer ses engagements. Or, pour réaliser cet objectif, il fallait d'une part tenir compte de la fonte d'une opposition larvée qui cherchait à lui ravir le pouvoir, et d'autre part de l'intensification de la violence qui sévissait au Cameroun, et plus précisément dans la région Bamiléké. Pour réduire l'emprise de l'opposition, Ahidjo, avec le concours de son allié la France, avait conçu un projet de constitution et une loi électorale taillée à sa mesure, dont le but était de lui permettre de confisquer le pouvoir. Il fallait les faire adopter par le peuple camerounais. Sauf malgré la réaction prévisible de l'opposition, le moment n'était donc pas opportun pour autoriser le retour de l'ancien Premier ministre. Car le faire, ce serait non seulement lui permettre de relancer une opposition des démocrates camerounais quasi moribonde depuis son départ, mais aussi et surtout de renforcer la troupe de ceux qui s'opposaient au projet de référendum tel que conçu et présenté par Ahidjo. Le Premier ministre dut en effet attendre d'avoir atteint son objectif, c'est-à-dire le vote du référendum et de la loi électorale pour autoriser Mbida à rentrer dans son pays. Ce dernier put alors quitter Conakry le 26 février 1960 à bord du général Leclerc pour c'est un navire pour atteindre Douala le 4 mars 1960. Avant de quitter Conakry et pendant son voyage, il avait aussi à administrer au gouvernement Ahidjo les preuves de sa bonne volonté, ce qui lui avait permis d'obtenir cette autorisation. À partir du mois de décembre 1959, en effet, André-Marie Mbida fit par 3 fois au moins la preuve qu'il ne partageait plus le point de vue de l'UPC sur l'évolution politique au Cameroun. Ainsi, lorsque fin janvier 1960, le trio Mwangi Ekin-King s'est réuni à Conakry pour condamner la situation politique prévalente et fléchit l'indépendance acquise au 1er janvier 1960, André-Marie Mbida, bien que résidant encore dans la capitale guinéenne, se garda de se joindre à eux. De même vis-à-vis du référendum sur le projet de constitution prévu le 21 février 1960, il se démarqua de l'UPC qui prenait l'abstention en se prononçant contre celle-ci et en demandant à tous les électeurs et électrices des démocrates camerounais de se rendre aux urnes et de voter tous contre le projet de constitution. Enfin, dans le bateau qui le ramenait au Cameroun et lors de l'escale de Cotonou, il accorda une interview à l'AFP dans laquelle il prononça contre l'UPC une diatribe qui rappela celle qu'il faisait encore contre ce parti du temps où il occupait les fonctions de Premier ministre.
Il qualifia l'UPC de parti des fanatiques, du terrorisme et de la guerre, et s'insurgea contre la décision prise par Aïdjo d'élever l'interdiction dont l'UPC avait été frappé en juillet 1955. Il estima que cette décision était trop hâtive car Aïdjo aurait dû exiger des garanties, notamment la restitution des armes. Cette prise de position fut sévèrement jugée par Moumié, qui, après avoir rappelé les nombreuses occasions au cours desquelles Bida avait eu à fumer sa volonté d'action vers l'UPC, alors, il y a un premier appel, on va prendre. Bonsoir et bienvenue, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir. C'était pour On vous entend mal, on vous entend mal. Mettez-vous bien à côté du poste. Oui, allô, ça va là? Oui, ça va. Et puis baissez le poste à partir duquel vous nous écoutez, parce que ça nous renvoie les échos. Ah, je ne suis pas à côté d'un poste là. Je vous appelle depuis un téléphone mobile. Très bien. Alors, vous avez la parole. Attendez, je vais régler un petit problème. Le son. Donc, je dis que moi, particulièrement, je vous remercie parce que l'entretien que vous nous faites depuis deux semaines à cette lecture, est-ce que vous pouvez donner le titre de ce livre pour la prochaine? Je vous remercie. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc je vous entends. Ah, donc je vous entends. Allô? Oui, je ne sais pas si c'est chez moi ou chez vous. Chez moi aussi. Mais je m'entends parler. Hein. Je m'entends parler. Allô? Oui. Ça va là? Oui, ça va mieux maintenant parce que le poste à partir duquel vous nous écoutiez était allumé et je m'entendais parler. Quoi. D'accord. Voilà, parce que moi, j'étais devant un ordinateur et je me suis éloigné pour parler depuis un téléphone. Oui, si vous pouvez baisser tout simplement le. Est-ce que vous me voyez à l'écran? Non, je me suis éloigné de l'appareil. D'accord. Je suis ailleurs avec un téléphone. D'accord. Donc, je vais vous mettre, le. Oui, je vais voir après. Voilà. Donc, voilà. C'est lui, Tobin Bida. Et c'est Cameroun des années des braises aux leçons de l'histoire. Voilà. Mais je vais. Vous voyez là, Patrick. Allez-y. Là, aujourd'hui, avec toute la lecture que vous venez de faire, on constate que ceux qui accusent des Camerounais d'être des passifs devraient aussi comprendre le comportement des Camerounais. Et surtout, les gens qui découvrent, ceux qui découvrent c'est la politique et l'activisme au Cameroun actuellement. Parce que moi, en 90, j'avais 20 ans. Et je suis du département de Déa et particulièrement dans d'un village qui a connu, n'est-ce pas, des massacres en 58 et qui était. Voilà. Donc, à l'époque, on avait encore tous les anciens IPCistes qui étaient là et qui nous formaient et qui nous demandaient de nous méfier, c'est-à-dire d'avoir une analyse un peu indépendante par rapport à ce qu'on voyait. Et tout ce qu'ils ont prédit, on le constate aujourd'hui. Imaginez, par exemple, avec tout ce que vous avez dit là, comme les gens ne disent pas, les gens ne sont pas informés, les gens prennent, n'est-ce pas, les informations et parce qu'ils circulent de part et d'autre, se font des conclusions. Ils n'ont pas une formation, une culture politique profonde. Tout à fait. Ils peuvent se laisser tuer par n'importe qui sans, n'est-ce pas, avoir, parce qu'ils n'ont pas, une idée de ce qui s'est passé ou s'est produit avant. Parce que, avec tout ce que je viens de dire là, on comprend maintenant pourquoi nous sommes dans cette situation et on accuse les populations, alors que les populations ont essayé. Surtout les gens d'espèce, ceux qui avaient 20 ans ou 30 ans dans les années 90, ont une attitude particulière par rapport à ceux qui sont, par exemple, qui sont nés en 90, qui ont 30 ans aujourd'hui, et qui croient que le monde commence avec eux. Mais ils ne savent pas que. Imaginez un peu. Ce que vous dites est très important parce que j'ai discuté avec des gens, ils me disent, il y a même des gens qui écrivent des livres pour raconter des bêtises, qui vous disent que c'est Oum Niobe qui a gâté le combat. Mais Oum Niobe n'a jamais été partisan de la violence. Oum Niobe s'est retrouvé au maquis à son quatrième retour des Nations Unies. Il est arrivé en 55.
parce qu'il a fait 4 pétitions à l'ONU. Quand il descend d'avion, quand il arrive, son dernier voyage, il est attendu au bas de la passerelle par la convocation d'un colon qui ment que Oumyobé l'a escroqué. Donc, Oumyobé veut aller à la convocation, ses amis lui disent que c'est un prétexte. Si tu vas là-bas, tu ne sortiras pas vivant. Donc, c'est pour ça qu'il s'en va dans le maquis de Boumyébel. Mais Oumyobé n'est pas un violent. Quand c'est Moumié qui a l'idée des armes, parce qu'il veut s'inspirer de ce qui se passe au Vietnam. Or, Oumyobé leur a dit, si vous commencez la violence, ces gens-là vont en profiter pour nous liquider et délégitimer notre mouvement. Ils vont nous traiter de terroristes. Donc, ce n'est pas la peine. Oumyobé n'a jamais porté d'armes, même quand il était dans le grand maquis de Boumyébel. Donc, tu ne vas pas, lui, son combat était politique. Voilà. Mais vous avez des gens qui ont déformé, j'ai discuté avec des gens, j'ai dit, mais lisez, parce que il y a des choses là-dessus, les archives commencent à s'ouvrir, et ces gens se sont battus. Donc, l'histoire n'a pas, vous n'avez pas découvert la bicyclette. Il y a eu le village dont vous parlez de Kité. C'est là-bas qu'on a chassé Hogbelen, quand il allait mentir là-bas. Parce que les gens lui ont dit, mais tu vas faire... Exactement ce que vous dites, j'étais parmi ceux, on était formés, j'étais parmi ceux qui le chassaient même, puisqu'il est venu avec Bello Boba pour, après la première campagne, quand il a été, sa candidature a été, n'est-ce pas, dégagée. Oui. Et je vous dis qu'il y avait encore les UPC, c'est vrai à l'époque. Et ce que vous dites pour le Poudon, il n'a jamais été violent. Il était comme Barbo, il croyait que par la politique, on pouvait battre les Français. Tout à fait. Et beaucoup lui ont reproché. Il avait sa stratégie. Il avait dit, voilà, on va faire comme au Vietnam, avec Ho Chi Minh. Ho Chi Minh avait fait ses études en France, celui qui avait créé le Vietcong et tout. Il avait dit, bon, on va faire comme eux. Moi, je vais aller aux Nations Unies. C'est pour ça que le gouverneur, le haut commissaire, avait bourré les urnes pour dénier toute légitimité électorale au Podol. Alors, qu'est-ce que le Podol a fait? Le Podol s'est retourné vers l'Association des étudiants camerounais de France. Les Castor Sandé Afané, les Sengako, tous ces gens-là. Et même Samuel Kamé, qui avait aussi dirigé l'association des... Donc, c'est ces gens-là qui lui ont donné le mandat d'aller parler en leur nom aux Nations Unies. Parce que les colons voulaient même pas qu'il aille parler. Donc, quand il arrive aux Nations Unies, il présente son projet. Il dit, voilà, je veux une... Les histoires de l'ARCAM, les ATCAM, ils ne voulaient pas de ça, parce que c'était le truc fantoche. La première assemblée qui va disposer des pouvoirs de voter les lois, c'est l'ARCAM, issu des élections de 23 décembre. Mais l'ARCAM et l'ATCAM, c'était des trucs bidons. Ils n'avaient aucun machin. Il leur a dit non, nous, on ne veut pas ça. L'UPC demande une vraie assemblée avec des pouvoirs de gouvernement, pouvoir voter les lois et tout ça. Et les Français, donc, les Allemands et les autres ont dit, même les Britanniques, les Américains, ils ont dit aux Français, mais ce monsieur n'est pas excessif. Voilà tout ce qu'il demande. Et on a dit aux Français, mais vous vous sortez d'une occupation allemande. Nous vous avons aidé. Voilà ce monsieur, tout ce qu'il demande, ils ne disent pas qu'ils ne veulent pas de vous. Ils disent, on peut avoir l'amitié entre les peuples, mais faisons-le sur la base de l'égalité. Nous ne sommes pas vos enfants. Voilà. Voilà ce qu'il disait. Donc, il fallait trouver un moyen pour le mettre hors jeu. Pierre Messmer, dans son livre, dit « Nous avons donné l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins ou ceux qui ne la réclamaient pas du tout. » Est-ce que tu as un test, un discours où Aïdjo a demandé l'indépendance du Cameroun? Jamais. Il n'a jamais demandé l'indépendance du Cameroun. Mais c'est à lui qu'on donne l'indépendance. J'expliquais aux jeunes l'autre jour, quand vous voyez le Cameroun est divisé en provinces, c'était une idée d'André Marimbida. Le projet pour lequel on salue Aïdjo, il a fait, mais c'est le programme de l'UPC qu'il a volé. Mais il n'a jamais donné crédit. Mais c'est le si vous parlez, vous avez des parents qui sont plus âgés, demandez-leur. Le projet que Aïdjo a déroulé, c'est le projet de l'UPC, intégralement. Monsieur Dupont, moi, j'ai aujourd'hui 53 ans, tous nos parents sont morts, tous ceux qui ont vécu cette époque-là. Parce que le problème, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui croient que la vie commence par eux. Il y a beaucoup de manipulateurs. Il y a beaucoup de manipulations. Par exemple, je vais vous citer un exemple. Moi, nos parents nous disaient, un cas emblématique de la lutte pour l'indépendance, c'est-à-dire l'assassinat du père Mpouma et du docteur Delangue. Parce que vous savez, c'était toi. Il était en train de faire une campagne. Oui, Antoinette. Antoinette a échappé, ben elle a fui dans les cocotiers et tout. C'est ça qui lui a sauvé la vie. Parce qu'on voulait les tuer tous les trois. La dame a échappé. Non, attendez un peu. On est peu. C'est parce que
Il y a M. Onangini qui a, elle avait une chamaillerie entre eux et le gars qui est aux États-Unis, comment on l'appelle encore, le gars qui est aux États-Unis là. Bon, ils sont chamaillés. Une fois, il a dit, vous ne pouvez pas reprocher, vous dites que c'est le PC à assassiner tel. Mais moi, M. Tupont, après ce que nos parents qui étaient, c'est-à-dire dans cette activité-là, ils nous disent que le PC ne pouvait pas, ou mieux, on ne pouvait pas cautionner qu'on tue des langues, ou bien qu'on tue. Pouma, puisque Pouma qui était un exploitant, papa Pouma qui était un exploitant forestier, qui était riche, ça dit financer l'UPC, ça dit en sourdine. Et des langues qui étaient aussi un fait policier parce qu'il était docteur. Par contre, l'enseignant, celui qui était enseignant, on appelle l'homonype, uh-huh. Vous voyez à peu près, oui. Lui plutôt, ils disent que lui est un délateur. En fait, parce que nos parents nous disent que ce sont les exploitants forestiers français, parce que c'est eux, normalement, qui connaissaient bien la forêt, qui ont assassiné, qui ont fait assassiner Pouma et Dilangé. Mais on a imputé ça à l'UPC, parce que quoi, bon, c'est ça qu'on a fait aux gens aujourd'hui, mais c'est pas vrai. Bon, parce que quoi, c'est le premier exploitant forestier, M. Pouma, il était tellement riche, riche pour les pauvres, hein, pour les. Bon, voilà. Mais il avait les moyens, et il était le seul à concurrencer, n'est-ce pas, les Français à l'époque. Et apparemment, ceux qui voulaient les assassiner, comme l'ancien député Lomoni, lui, il était de leur côté, ils lui ont dit « prends un autre côté ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la même voie. C'est ça, c'est pas qu'il s'est caché. Ils n'ont pas pris la même voie. Non, je parle... Parce qu'ils sont arrivés à cet endroit... Je ne parle pas de lui, je parle de la femme. Il y a une femme qui s'est échappée, qui était avec des langues... Ah, d'accord. Voilà, s'est échappée. Mais celui dont vous parlez, ce sont les mêmes méthodes que le RDPC fait. Si vous allez, lorsqu'il y a des campagnes, même quand il y a eu des villes mortes, il y avait des militants du RDPC qui cassaient les choses. Pourquoi on met ça sur le dos de l'opposition? Ça, c'est une vieille tactique coloniale. C'est pour ça, je ne sais pas si vous connaissez l'historien Simon Quint. Il a écrit un livre où il dit que c'est lui. Oui. Voilà, lui, Paul Odjoula, est le père du régime de Paul Biya. Ce sont les méthodes, les mêmes méthodes, rien n'a changé. On va casser des choses. Même quand il y a des élections, on va faire des choses. On attribue. Ça, ce sont des techniques. C'est comme vous dites, vous avez tout à fait raison. Parce que Oumyobe va faire assassiner des langues. Pourquoi? Il n'a pas de machin. D'abord, c'était un non-violent. Puisque après, le gouverneur a envoyé Thomas Mungo aller le trouver dans la forêt et tout. Et il a dit à Thomas Mungo, dis au mien que je suis contre toute forme de violence. Parce que déjà, la colonisation en elle-même est une violence. Nous n'allons pas dénoncer la violence coloniale. Et nous-mêmes imputer les violences aux protestes politiques. Voilà, c'est le message qu'il a donné à Thomas Mungo, qui a dit aux siens, tous ceux qui se réclament de moi, je vous interdis de vous lancer. La preuve, les UPCistes qui se cassaient dans les forêts, quand ils rentraient ils se rendaient à l'armée française, on les massacrait, on les voyait plus jamais. Ils disparaissaient. Oui, il y avait la complicité de l'église catholique, il y avait les prêtres comme les courtes-cuisses qui payaient les gens. Il a été assassiné d'ailleurs. Le père, je ne sais pas, parfois, vous entendez parler de lui. Vous venez, il vous dit, venez faire ce qu'on appelle ça, comme là, des confessions, et après, la nuit, le soir, on vient vous ramasser, alors que c'était un militaire français. En fait, moi, je voulais vous dire, je vous remercie parce que le livre que vous avez sorti là, je voudrais le lire pour avoir une idée, une analyse par moi-même, parce que j'avais une autre idée d'ancien ministre Bida. Mais d'après vos lectures, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était patriote. Non, c'était un patriote. Mais il faut que je lise quand même, il faut que je lise ce livre-là et que je fasse moi-même mon idée. Vous voyez à peu près. Donc c'est pourquoi je voudrais vous remercier. Je vais vous envoyer les titres là sur WhatsApp là tout à l'heure en message. Ou alors. Oui, parce que vraiment, ça m'a. Ce monsieur-là, j'avais une autre idée de lui. C'est comme ça. Bon, vous savez, c'était une période trouble. Il y a plein de gens qui ont été tués ou bien plein de personnes qui ont un dossier alors que c'était pas ça. C'est pareil pour les gens comme les Pouma Kilama, comme les Yena Liba, tous ces gens-là, alors que c'était des patriotes. Mais aujourd'hui, ils ont l'image des terroristes. Alors qu'on ne sait pas pourquoi ces gens-là agissaient comme ça. Ouais, à peu près. Donc, mais un jour, vraiment, les Camerounais vont prendre le temps de connaître l'histoire, d'écrire leur histoire par eux-mêmes, même comme tout le monde a peine de mourir, mais tous sont morts déjà. Mais il y aura quand même, par là, même quand les archives vont s'ouvrir, on va avoir une idée de l'histoire du Cameroun. C'est très intéressant ce que vous avez fait là. Moi, je vais lire ce livre, je vais lire ce livre et je vais essayer au moins de diffuser cette idée, parce que j'avais une grosse idée de ce bizarre.
vraiment, et vraiment, je m'a surpris. Je pense que, probablement que les Camerounais découvrent l'histoire et ne sont pas allés. Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui veut attirer, qui veut imposer et installer un royaume. Alors qu'à l'époque, mon papa est né en 20, lui, il est né en 32, ils avaient le même âge. Qu'est-ce qu'il a contribué pour le Cameroun alors que mon papa n'était pas aussi éduqué que lui, se battait pour lui collaborer. Et tout ça, sans aucune légitimité, c'est eux qui disent que, n'est-ce pas, ils veulent imposer des royaumes par rapport à quoi? Alors que, à son époque, ils étaient au conseil public. Les qui traversaient la rivière pour aller quitter en face du côté pédiste. C'était l'âge, c'était une éternité. Aujourd'hui, dans le royaume, à l'époque, là, à l'âge, au temps, il avait quel âge? Il avait les gars de son propre, il y avait les mecs de sa génération qui avaient vraiment pas une en 2010. Les gens se battaient, on disait, notre indépendance est à quelque chose. Les gens prenaient les arbres parce qu'on les faisait passer. Ils allaient décrocher les arbres. Et le but, eux, ils étaient en train de collaborer. Et c'est eux qui disent aujourd'hui que le Cameroun est à eux. On ne comprend pas. Et quand les gens ne savent pas, c'est une stratège, oui, c'est une stratège. Par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ils veulent s'éteindre au royaume avec son fils. Il n'a jamais rien fait. Qui a une machination aussi, qui n'a jamais rien fait du tout. Ils veulent s'éteindre au royaume. Par rapport à quoi? Parce que quand on parle de désagrément, ils n'ont pas, on va dire, la visibilité de ce qui se passe, pas de comme ça. Ils ont contribué ma route. Contribué en quoi? C'est tout Cameroun. Il y a autre chose, je voulais vous poser une question, parce que quand on dit qu'on a eu l'indépendance en temps, mais nous, quand nous avons dit qu'on est indépendant depuis le 13 mars 1959, depuis qu'on est sorti de la tutelle, je voulais qu'on ait un débat là. Si pour nous, c'est pas dire que c'est fait pour ce passage-là. C'est pourquoi nous disent que Boron disait que notre indépendance a croché au drapeau, il faut aller croché, etc. Il ne comprenait pas. C'est parce que le Cameroun est sorti, le Cameroun oriental est sorti sous tutelle le 13 mars 59. Donc, à partir de là, moi, si l'ancien EPC disait à l'époque que nous avons indépendance depuis le 13 mars 59, puisque à partir de là, on avait plus de statut de la tutelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut pas là-dedans? Est-ce que vous avez une communication là-dedans pour nous expliquer? Oui, je sais pas. Oui, c'est vrai. À partir du 13 mars 59, c'était la fin de la tutelle, puisqu'ils ont signé des accords en amont. Mais la proclamation officielle de l'indépendance, c'est le 1er janvier. Mais là encore, c'est une entourloupe. Parce qu'à partir du 13 mars 59, le Cameroun oriental, c'est la fin de la tutelle. C'est-à-dire que le Cameroun devient un territoire international dont les Camerounais peuvent reprendre la gestion de leurs affaires, etc. La preuve, c'est que la plupart de ces accords que nous avons signés avec la France, que Aïe Diouf a signé avec Michel Debré, Michel Debré, ministre de la Défense, il a été le premier ministre général de Gaulle, après il est devenu ministre des Armées. Mais la plupart des accords que Aïe Diouf a signés avec lui, c'était en 59. De décembre 59, on ne pouvait pas signer des accords n'étant pas un pays indépendant. Donc l'indépendance, sur le strict point de vue du droit, c'est le 13 mars 59. Mais la proclamation officielle, c'est le 1er janvier 1960. Allô? Allô? Oui, on vous entend mal, hein? Allô? Oui, on vous entend très mal. Parlez un peu plus fort. Je ne sais pas, votre volume a baissé, etc. Bon, vous rappellerez. Alors, quelqu'un me demande s'il y a les balis. Je ne vois pas bien la question, mais j'attends qu'elle descende. C'est Valentin Kébil qui demande s'il y a les balis ou que ça va descendre là, je ne vois pas très bien parce qu'il y a mon logo qui cache ça, mais dès que ça descend. Donc j'étais en train de vous dire, un journaliste qui avait écrit alors ce journaliste, il est très connu, je vais raconter une petite histoire sur lui. Alors il est David, voilà, c'est lui. Alors, lui, il écrit un test quand André-Marie Mbida démissionne. Alors, il écrit un test pour s'interroger.
sur sa posture, parce qu'il y avait déjà des journaux comme ça qui prenaient fait et gage. Alors, il s'appelle Iwe Kalalobe. C'était un journaliste et chroniqueur camerounais, etc. C'est sa mère qui va aller épouser Aliou Diop. Je vais vous raconter ça tout à l'heure également. Celui qui a créé les éditions noires. Alors, il écrit un article le lundi 4 août 58 et il dit voilà, le drame de la vie politique de Monsieur André Marimbida a pour base cette démesure africaine dont nous parlions dans l'un de nos derniers articles. Valentin Kebil me demande s'il y a les Bali au Nigeria, je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il y a des Bali qui viennent de la Damawa et qui sont installés là-bas. Est-ce qu'il y en a au Nigeria? Aucune idée. Alors, voilà un homme fait d'un bloc qui n'a pas su adapter son caractère par trop rigide à la souplesse et aux finesses qu'exige la politique. Dans sa marche ascensionnelle vers le pouvoir, il a confondu deux choses qu'on ne peut confondre de nos jours. Le pouvoir personnel et les institutions démocratiques. Alors, donc, c'est Ikwe Kalalobe qui écrit cet article au Vitrol contre André Marimbida. Lui, il a perdu son père, je crois, en 1916. Sa mère s'est remariée à un Sénégalais. Et celui-ci va créer les éditions noires. Aliou Diop, quelqu'un, je vais vous trouver sa photo, quelqu'un qui est né en Saint-Louis et en 1910 et donc marié à cette Camerounaise, la maman de Monsieur Kalalobe que je venais de vous montrer, très belle histoire, hein, je vais vous montrer, voilà, vous le voyez là, Aliou Diop, il a, c'est fondateur de la de présence africaine, voilà. Marie à une Camerounaise, fille de Mandécibel que vous voyez là. Voilà. Donc, le journaliste que je vous ai montré là, Kalalobe, est le petit-fils de Mandécibel. Et Mandécibel serait natif de Bafoussam. Et on dit qu'il était esclave, adopté par les Bélois. C'est à lui que on doit notamment la construction de ce qui est appelé la villa Mandécibel à Douala. Donc voilà. Donc il serait le grand-père maternel de Kalalobe, dont la mère a épousé Alioune, le créateur de présence africaine. Et vous les voyez là. Le premier congrès qu'il a organisé avec des intellectuels, des artistes noirs, entre autres, il y a Frantz Fanon, il y a Aimé Césaire, je crois Senghor également. J'ai le test quelque part pour vous. Est-ce que je l'ai là ici? Non, je repars au début. Jean-Baptiste Mayamba, membre de l'ethnie, Marcel... voilà. Le premier congrès d'écrivains et artistes noirs à Paris en 1956, organisé par Aliou Diop, fondateur de Présence africaine, qui a convolé en os avec la fille de Mandécibel, mère de Kalalobe. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil. Je vous ai montré Niatade au début. Homme député tué pour des raisons familiales, enfin, c'est Aliou Diop là avec la maman de Kalalobe, petite fille de Mandécibel, voilà. Voilà les UPCistes, quand je... Y a-t-il des bassins au sud-ouest? Oui, mais ce n'est pas le lieu naturel. Ils y sont pour des raisons politiques. Parce que les Bassa étaient dans une seule province, on les a divisés, Sanaka Maritime et Nyon et Kélé. Mais on va en trouver maintenant à Koumba pour des raisons politiques. Tout comme on va trouver des Bakossi à Koumba, alors que leur lieu naturel, c'est le mont Koupé et le mont Maningoumba. Voilà, mais on va trouver des Bassa au sud-ouest, oui. Mais...
Chez vous, il y avait un certain Tamak qui jouait dans l'équipe nationale du Cameroun, c'était un anglophone. Donc, il y a des bassins qu'on va trouver là-bas, mais encore une fois, c'est pour des raisons politiques, ces histoires de combat, d'immigration et tout. Alors, Piment dit que je pensais que c'était un prince Bamoun. À qui pensiez-vous? Il faut préciser votre question et puis on répondra. Voilà. Alors, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent appeler, s'il y a des questions écrites, comme vous faites à l'écran, faites-le, on répondra. Alors, Andy Adal, qui demandait j'espère qu'il est encore avec nous. Voilà le livre que tu me demandais. Je vais enlever le test là pour te permettre de voir tout cela. Andy Adal, voilà notre ami Andy Adal de Paris. Voilà le livre. Vous pouvez le commander sur Amazon. Si vous êtes à Paris, à la Fnac, vous pouvez en trouver à la Fnac. Voilà un deuxième que je vous recommande, qui traite toujours d'André-Marie Bidard. Vous pouvez l'avoir. Voilà un autre qui traite de Douala Mangabel. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine assez longuement. Les conditions, comment les Allemands traitaient les Camerounais, etc. Pourquoi est-ce que Douala Mangabel s'est révolté? Celui-là, c'est un vieux livre, mais il contient pas mal d'informations. Je l'avais montré ici il y a 2-3 ans, mais bon, ceux qui n'étaient pas là peuvent regarder. Il contient tout, il y a tout dedans. C'est une véritable bible du combat politique camerounais, voilà, de ces années-là. Voilà. Donc, ce matin, il y a quelqu'un, je crois c'est Pembora, je ne sais pas si elle est encore là, qui me demandait des livres sur Kadhafi. Là où on disait que Kadhafi avait violé la femme d'un chef d'État africain et même d'un président français. Voilà le livre. Un autre livre qui traite du même sujet. Voilà. Donc voilà. Alors, quelqu'un m'a dit, JPC, c'était des révolutionnaires, piment, je sais pas s'il est parti. Il m'a demandé si, il me parle d'un prince Bamoun, je ne sais pas à qui il fait allusion exactement, mais bon, voilà. Alors, donc, Niatadé n'est pas ce qu'on vous a dit. Niatadé, c'est un député. Je crois que c'est un des rares à avoir voté une loi sur le bien-être des populations. La loi est encore en vigueur concernant la CNPS. Voilà. Donc, il faut rétablir ça. Il a été victime de la jalousie de Samuel Kamé, qu'il a balancé aux Français. Niatadé avait entre autres résisté à Samuel Kamé. Il a fait un discours à Tchon, siège de la région, pour fustiger Samuel Kamé, qui selon lui défendait plus les colons que ses frères. Je vais vous montrer l'image de Samuel Kamé, qui était un flatteur, vous le voyez là-bas avec Aïdjo. Et donc Niatadé, ce qui va lui valoir le peloton d'exécution,
c'est que lui, il fait un discours pour dire que Samuel Kamé aimait plus les colons que ses propres frères. Il était député du Parti des Paysans Indépendants, était proche aussi des derniers Kemadjou. Je vous ai montré la photo de Kemadjou tout à l'heure. Et il a été soupçonné par Samuel Kamé d'avoir inspiré le nom du prince Kemadjou au plein pouvoir que réclamait Ayidjo. Parce que je vous ai lu tout à l'heure l'opposition farouche de Kemadjou au plein pouvoir d'Ayidjo. Et Samuel Kamé, que vous voyez là, soupçonne Niatadé d'avoir inspiré Daniel Kemadjou. Daniel Kemadjou était prince de Bazou, mais c'est le premier maire de la ville de Nkosamba. Il va aussi être président de l'Assemblée à un moment. Et donc, on pense que Niatadé a inspiré le prince Kemadjou de s'opposer au vote du plein pouvoir que réclamait Ayidjo. Samuel Kamé n'a aucune influence politique au pays Bamileke, il est jaloux de cela. On va assassiner des missionnaires suisses de la mission protestante BAT. Et c'était des libraires. Et on va accuser Niatadé à tort d'être derrière ce meurtre. Oh, il n'avait pas besoin parce qu'il avait ses plantations. Et même ses livres-là, il faisait cadeau aux gens. Il n'avait pas besoin de cela, mais on va l'éliminer. On va l'éliminer parce que il a refusé le plein pouvoir à Ayidjo, mais on va prendre pour prétexte cet assassinat des Suisses dans lequel il n'était pas mêlé du tout. Voilà. Donc ça a toujours été les méthodes que vous voyez là aujourd'hui, ce sont les mêmes méthodes que le pouvoir Ayidjo avait. L'autre pygmée me dit parler de Mandisi. Non, Mandisi était un esclave Bamileke que les Douala qu'il avait acheté avaient fini par adopter. Et voilà, il était de Bafoussam. Je pense que j'ai le petit test là que j'ai posté tout à l'heure. Mandisi, Mandisi Bell. Il n'était pas du tout prince Bamoun. Voilà, il était natif de Bafoussam et il était de la région de Banengo. Mes chers amis, je constate que il n'y a pas de questions. La semaine prochaine, nous allons parler longuement de Douala Mangabel, les conditions dans lesquelles on l'a tué, comment. Oui, bonsoir Derry Gold. Oui, bonsoir mon grand. Bonsoir, comment tu vas? Ah, je vais bien. Hein. Voilà. Et toi, hein? Ça va, tu es à l'antenne. Oui. Bon, ma première préoccupation, c'est de savoir, déjà, étant donné que M. Prince Kemadjou était tout premier maire de Nkosamba. Oui. Quand est-ce que l'histoire de d'autochtonie et halogène Est-ce que tu peux baisser la partie d'où tu nous entends? Ok, je vais le faire. Alors là, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, j'aimerais savoir, monsieur le prince Kemadjou dont vous parlez, puisque je ne connais pas, tu ne le connaissais pas d'avant. Qui était le tout premier maire de la ville de Nkosamba. Oui. Oui, comment est-ce que l'histoire de autochtonie et halogène s'est mise en pratique? Parce que si à cette époque, ce natif de l'Ouest est maire à Nkosamba, et voilà, j'aimerais. C'est pour ça que je suis un peu. Cette question me trouble un peu. Histoire de l'halogène et autochtonie. Oui, bon, d'abord, le vocabulaire, de autochtone, autogène, machin, ce sont les histoires du RDPC. Ah, d'accord. Voilà, ce sont les histoires du RDPC parce que
au temps d'Aïdjo, certes, Aïdjo aussi a joué du fait très mal, mais on n'avait pas atteint ce sommet-là. On avait à Douala le maire du 5e arrondissement, Tanko Hassan. Est-ce que Tanko Hassan était l'autotent de Douala? Voilà, mais il était maire à Douala. Voilà, on avait au Cameroun des entiers qui faisaient de la politique au Cameroun. Jules Nénine était député camerounais. Est-ce qu'il était autotent du Cameroun? Voilà. On a eu un ministre malien pendant très longtemps, c'est lui d'ailleurs qui s'occupait de la création de la CAMER. Voilà, l'homme de main d'Aïdjo. On a eu des gendarmes armés camerounais qui n'étaient pas des Camerounais du tout. On a, si vous voyez la liste des putschistes que je vous ai donnée l'autre jour, là-dedans, il y a des noms maliens, etc. Il n'y a pas de Totoni. Le gars qui a tiré sur Oumyobé, c'est un auxiliaire de l'armée française qui appartient à la tribu des Sara, un Tchadien. C'est lui qui a tiré dans le dos de Oumyobé quand il courait. Voilà, donc on a eu même au sein, moi j'ai grandi à Foumban, on avait des gardiens de prison qui venaient du Niger. Alors, donc s'il y avait les trucs de Totoni, à plus forte raison un étranger. Voilà. Donc, ce sont les histoires du RDPC. Parce que même quand vous regardez au temps de Mbida, même au temps d'Aïdjo, ces questions, les gens s'installaient. Là, je viens de te parler de Kalaloubé. Kalaloubé, c'est le petit-fils de Mandessi Bel. Voilà. Et la maman de Kalaloubé s'est remariée à un Sénégalais. Voilà, en deuxième, celui qui a créé Présence africaine. Voilà, donc ce sont des conneries. On avait des Béninois au Cameroun. La semaine prochaine, je vais vous parler de Douala Mangabel, mais je vais vous parler de comment les Allemands avaient amené des milliers d'esclaves du Dahomey, actuel Bénin. Voilà. Actuel Bénin. Voilà, qui sont restés à Douala. Si vous allez à Douala, vous allez trouver beaucoup de Béninois, mais ils ne sont pas arrivés hier. Ce sont les Camerounais qui font les beignets haricots, là. Ils voilà. Sont oui, non, il n'y a pas que les beignets haricots. Il y a des ingénieurs. J'ai des amis là-bas qui sont des marins, etc. Voilà, des financiers et tout. Il n'y a pas que. C'est des gens qui sont arrivés depuis très, très longtemps. Vous allez trouver des bassins au Libéria parce que, quand les gars revenaient de leurs études, les Allemands les faisaient expulser au Libéria. Donc, ils sont restés là-bas. C'est ce qui explique la présence des bassins au Libéria aujourd'hui. Voilà, on expulsait les gens, on envoyait les chefs en exil, certains y restaient, certains y mouraient, certains y revenaient. Le père de Douala Mangabel, Auguste de Mangadoumbé, a été envoyé en exil, je crois en Sierra Leone, avant de revenir. Et donc, ce n'est pas au Cameroun que tu vas amener autochton de quoi? Et tu vas, qui est autochton par rapport à quoi? Voilà. Si tu viens dans mon village à Bankim, dans le Mayo Bagno, dans la Damawa, tu vas trouver un peuple qu'on appelle les Tikar, qui sont mes parents. Mais ils viennent de Ngandere. Mais avant ça, ils viennent du Yémen, qui est autochtone. Et on est venu, là, on cohabite, hein. C'est-à-dire à Bankim, tu vas trouver les Tikar, mais tu vas trouver un autre peuple qu'ils ont trouvé, qui s'appelle les Toumous. Voilà. Donc ils parlent la langue. Qui est autochtone? Bon, maintenant, les Bamiyeke qui vivent là-bas, avec qui je suis allé à l'école, parce que moi, j'ai vécu chez les Bamoun, à Foumban, je suis né à Koutaba. Bon, maintenant, les Bamiyeke qui sont dans le village là-bas, qui sont mes amis, ils sont même nés là-bas par rapport à moi qui suis né ailleurs. Je viens que là-bas parce que mes parents sont de là. Je vais leur dire de partir. Ce qui est moi, le Toton, ce sont des salades, ça. Mais c'est à Foumban qu'on me connaît. Tu arrives à Foumban, tout le monde me connaît. Mais tu vas chez moi, on me connaît par rapport à mes frères et sœurs. C'est le frère de tel. Mais à Foumban, tout le monde me connaît. Voilà. Qui est au Toton de quoi? Ce sont des conneries qui mettent les pays en retard. Si tu dis aujourd'hui, même à Bafoussam, tu arrives à Bafoussam, tu vas trouver d'autres Bamiyeke qui ne sont pas des Bafoussam, qui vivent là-bas. Voilà. Tu vas à Bafon, tu vas trouver des Bamiyeke qui ne sont pas des Bafon. Oui, justement. Mais voilà. Donc, il faut arrêter vos stupidités d'autonomie parce que qui est autochtone de quoi? Voilà. Tu prends Yaoundé, Ongola. C'était un marché du bétail. Les gens venaient, ils vendaient du bétail. Je parle même entre eux. Les gars parlent de Bankomo, des villages environnants. Ils viennent à Yaoundé, qui s'appelle Ongola. Ils viennent vendre son bétail. Ils attachent son bétail. C'était un grand marché. Ils vont, ils s'en vont. Bon, qui est autochtone de quoi là-dedans? Tu prends Edea, c'est la même chose. Parce que Edea, à l'origine, c'est la ville de Bakoko.
il y a des Bassas qui sont partis, qui sont venus là-bas, parce que les Bassas sont de Douala. Ils ont aussi des villages à côté, mais certains vont partir, ils vont se retrouver là-bas. Les Bakoko ne sont pas majoritaires, etc. Donc, si tu commences à parler d'autochtonie là-bas, qui est autochtone de quoi? Voilà. Tu vas à Kribi, c'est la même chose. Il n'y a pas une seule. Va même jusqu'en Bouda. J'avais fait un direct dessus, mais je vais refaire un direct. Parce que on prend, il y avait à l'époque ce qu'on appelait le département Bamileke. Et il y avait le département Bamoun. C'est ça qui est devenu le Noun. Bon. La superficie allouée au Bamoun, la superficie allouée au Bamoun dans l'Ouest, c'est-à-dire que les Bamoun occupent 56% de la superficie allouée à l'Ouest. Parce que quand on dit que les gens de l'Ouest, il y a des idiots qui pensent qu'on parle de Bamileke, parce que les Bamileke sont... À l'Ouest, tu as les Bamileke, oui, mais tu as les Bamoun, tu as les Tika, tu as les Kakayamba, tu as les Bororo, tu as même les Sawa à l'Ouest, les Mbo. Mmh. Voilà. Donc quand tu dis les gens de l'Ouest, tu t'adresses à qui? Des spécifiques. Voilà. Donc c'est une ignorance. Voilà, c'est une ignorance. Tu vas à Yoko. À Yoko, là-bas, tu vas trouver l'actuel René ministre, l'ancien ministre René Sadi. Il est né à Yoko. Mais c'est un boum ou un babouté. Mais les baboutés sont des Ngaoundéré. Ils ne sont pas des Yoko. Ils sont des immigrés là-bas. Voilà. Tu prends, tu vas du côté de la Sanagam, tu viens du côté de Bafia, ces endroits-là. Tu vas trouver les gens de la Lekie, tu vas trouver les. Tu traverses Sanagam, machin. Tu vas trouver là-bas. Les gens de l'allée qui comment tu les appelles, tu vas trouver les Eton Manguissa. Parce que, il n'y a pas de place. Ils sont allés cultiver là-bas, ils vivent là-bas. Mais c'est pas chez eux. Alors, si on commence à dire autochtones, il faut qu'ils partent de là, parce que c'est pas chez eux. Mais ils sont installés. Voilà. Qui est autochtone de quoi? Voilà. Tu vas à Bouda, dans le Bamboutos, on avait dépossédé les populations de leur terre, et on avait donné ça à des concessions agricoles, des Européens. Et on venait, le chef du village disait aux gens, prenez cela. On vous amène de force en Consamba. Et beaucoup de Américains sont morts en Consamba. Ils sont arrivés comme esclaves. Des grandes concessions. Il y avait des grandes plantations des Français dans le Bamboutos. Donc on vient prendre la main d'eux. Les gens vont mourir de maltraitance. Souvent, on ne les paye pas. On dit, bon, on vous donne une petite portion de terre pour cultiver. Ils sont installés, ils ont des familles. Et puis maintenant... Mais le problème, c'est que ces gens-là ont laissé des enfants. Mais ces enfants ne sont pas intéressés. Vous allez en Consamba, il y a des endroits qui sont devenus la forêt parce qu'eux ne sont pas intéressés par le mode de vie de leurs parents. Mais leurs parents se sont retrouvés là-bas comment? Contre leur gré. On les prenait de force. Voilà, on les prenait de force. On les amenait, ils partaient de partout. Les gens disaient, on s'en va à Salaoui, on va faire le Tchapia et tout ça, tout ce que tu veux. Et ils n'avaient pas... Donc, on leur donnait des portions de terre, on les payait en nature. Voilà, c'est ça l'histoire, mais tu ne peux pas dire aux gens que, halogène, mais qu'on dirait que ta terre produit de l'or. Les gens sont là parce qu'ils se sont retrouvés dans une circonstance. Qu'est-ce que toi, ta terre va produire que la mienne dans le même pays ne produit pas? Et les colons ont fait cette histoire où, je parlerai du foncier en même temps que je parlerai de Douala Mangabel. Les colons ont fait ce truc que, la terre appartient à ceux qui l'exploitent. C'est dans les papiers de tout foncier camerounais. La terre appartient à ceux qui l'exploitent. Parce qu'on ne peut pas laisser la terre. C'est là où la notion de l'utilité est venue. Où l'État, à un moment, te dit, non, il faut que tu partes de là, on va te dédommager parce qu'on va faire que jeu d'utilité publique. Voilà. C'est ta terre, oui, mais on ne va pas laisser que la forêt vienne nous trouver en ville. Si tu ne l'exploites pas, il faut quelqu'un pour l'exploiter. Tu ne peux pas dire que c'est ta terre et puis tu brûles. Il y a une politique d'urbanisation. Même ici, chez les Blancs, tu peux pas avoir ta terre, tu dis que non, moi c'est ma terre, mes voisins ont des immeubles et moi je vais faire un truc où je vais faire le soya. Ça, tu vas défigurer la nature. Donc la terre, il faut la mettre en œuvre. Même en Côte d'Ivoire, tu vois, ça se fait. Alassane a rasé les choses, on te dédommage. Ou alors tu fais quelque chose qui garde une certaine forme, l'uniformité du paysage, en conformité avec la politique d'urbanisation. Mais tu ne peux pas juste dire que non, moi c'est mon père qui m'a donné le terrain et puis je vais rester, je fais ce que je veux faire. Les gens ont développé des trucs là-bas et toi tu viens, tu fais un étang à côté. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Donc si tu n'as pas les moyens, si l'État estime qu'il a un projet d'utilité publique pouvant profiter d'intérêt général,
on te dédommage et puis tu vas te chercher ailleurs. Tu n'es pas né à Balaterre. Quand tu vas là, là, tu occupes une maison. Là où tu habites, là où tes parents sont au Cameroun, tu sais qui habitait là-bas il y a 100 ans? Jamais. Mais voilà. Mais toi, tu ne sais pas qui va habiter là-bas dans 100 ans. Dans deux siècles, dans 100 ans, tu sais à quoi le visage du Cameroun va ressembler? Tu sais à quoi on a fait une... Mais attends, prenons Paris. Tu sais à quoi les habitants de Paris vont ressembler dans 100 ans? Mais ça a toujours été comme ça. Les peuples viennent, se remplacent, partent et viennent et vont. Si quelqu'un qui est mort il y a 2-3 siècles, un Français qui est mort il y a 2-3 siècles, tu le ramènes à la vie aujourd'hui. Le Français que nous parlons, il ne comprendra rien. Il ne comprendra rien du tout. Parce que c'est une autre époque. Et c'est comme ça, que vous le vouliez ou pas. Donc au lieu de pleurer, faites des choses. Le jour que tu disparais. Les gens vont te remplacer. Si tu ne fais même pas attention, on va acheter ta tombe. Là où il y a ta tombe, là où la maison de tes parents est. Est-ce que toi, tu ne sais même pas si c'était le cimetière de quelqu'un? Comment tu vas le savoir? Voilà. Quelqu'un meurt, on vend la maison. Moi, j'ai vu ça ici. J'avais une voisine de 91 ans. La dame, elle est morte. Ils sont venus tout ramasser. La famille a vendu. Et puis, j'ai vu des nouveaux, là, les Espagnols, ils ont acheté la maison. Et j'avais pitié d'eux parce que je les voyais s'installer. Mais ça n'a pas que quelqu'un est mort dans la maison, là. Tu vois? Donc, ces histoires d'autotonie, machin, c'est une perte de temps. Ça, c'est la vie des peuples. En conclusion, nous sommes des citoyens du monde. Nous sommes des citoyens du monde, que tu le veuilles ou pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas y faire? Quand tu viens ici en Grande-Bretagne, les Indiens sont en train de tout acheter. Les vrais Anglais, ils sont à l'intérieur. Tu vas en France, c'est la même chose. Les Français vont ils vont au Mans. Les Noirs vont encore les trouver là-bas. C'est comme ça, c'est l'histoire de l'humanité. Vous remplacez, les autres vont vous remplacer, etc., etc. Est-ce que les dinosaures savaient qu'ils allaient disparaître de la surface de la Terre? Jamais. Mais voilà. C'est un phénomène naturel. C'est comme la mort. Moi, je veux pas mourir. Si ça dépend que de moi, j'aimerais rester éternel. Mais le fait est que j'accepte ou pas, un jour, je vais mourir. Voilà. Donc, que tu l'acceptes ou que tu n'acceptes pas, un jour, des peuples viendront dans ton village et ils vont s'installer. Quelqu'un d'autre viendra les remplacer. Voilà. Quand tu étudies la sociologie, le champ d'application, c'est les mouvements migratoires. C'est pour ça que quand je vois un eunuque qui passe à la télé, il raconte des conneries et il dit qu'il est professeur de sociologie, je dis, mais il enseigne quoi à ses étudiants? Parce qu'un des champs d'application de la sociologie, ce sont les mouvements migratoires. C'est la mutation. En démographie, tu peux rien faire. Un jour, tu vas arriver à Bafoussam, tu trouveras plus un bel sol américain. D'ici 2 siècles, 3 siècles, tu ne sais pas qui va habiter à Bafoussam. Tu ne peux pas le savoir. C'est l'histoire naturelle de l'humanité. L'histoire est faite des migrations. Les Américains, on les a aperçus au 9e siècle en Égypte. À un moment, on va les trouver sur le bassin du lac Tchad. Et au 12e siècle, on va les trouver dans la plaine Tika. Et ils sont partis de là pour aller faire un premier groupement à Bafoussam, etc. Et ainsi de suite. Mais voilà, donc c'est l'histoire des peuples. Tu ne peux rien faire, que ça te plaise ou pas. C'est comme ça, un jour on va te remplacer. Voilà. Quand toi tu remplaces quelqu'un, toi aussi on viendra te remplacer. Tu ne peux rien faire. C'est l'histoire de l'humanité. Voilà. Ton père meurt, tu vends la maison, tu vas à Paris faire la mise. Là où tu as vendu, là, ils vont aussi à quelqu'un d'autre. C'est un autre peuple qui viendra. Tu ne sais pas quelle langue il va parler. Il s'installe. Hein? Nous, on a eu le barrage de la Mappé dans mon village et ça a englouti des villages. Mais ça a créé de l'eau et du poisson. Et on a des pêcheurs nigériens qui viennent s'installer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les chasser? Ils suivent l'eau. Ils arrivent. C'est ça le phénomène. Les Douala sont arrivés comment? Ils ont suivi la peau de banane. Ils se sont retrouvés à Manoka. Et ils sont venus trouver les peuples qui étaient là, les Bakoko et les Bassa. Vous vivez ensemble. Et d'autres peuples vont venir vous trouver. Et ça va se passer comme ça. Tu peux crier, tu peux marcher avec la Bible en main. Quand ton jour arrive, tu disparais et quelqu'un viendra. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Et alors, Serge Fabrice, tu me poses la question de savoir s'il y a eu un génocide Mbo dans le Mungo, pas les Bamiléqués. Ça, ce sont des salades. C'est une légende. Les Bamiléqués n'ont pas fait des génocides au peuple Mbo, puisque le peuple Mbo même est à l'ouest. Voilà. Les Mbo ont vendu des terres, etc. Mais il n'y a pas eu de génocide. Il n'y a jamais eu de génocide du peuple Mbo dans le Mungo, pas les Bamiléqués. Ça, c'est des légendes.
Je réponds par courtoisie, mais généralement, je parle pas de ces genre de choses. L'ami Talagi Kentan à Piagne, Amgaka, depuis l'Allemagne là-bas. Alors, Derigo, tu as autre chose, une autre question? Non, non, c'est vache. Très bien. C'est clair. Très bien. Ben, écoute, bon début de semaine et on se parle dimanche prochain. On va parler de Douala Mangabel et on va parler des Allemands qui ont instauré une culture de portage au Cameroun avec le système du fouet. Le samedi, ça s'appelait journée de correction où on fouettait les chefs traditionnels. On parlera de ça dimanche. Merci. Merci. Alors, si quelqu'un d'autre veut appeler, l'antenne est ouverte. On salue l'ami Chastry, la chère voisine depuis l'Allemagne. Tous les autres que je n'ai pas salués au Chica. Voilà. C'est Serge Fabrice Twente. Qui vous a raconté cette légende-là, Serge Fabrice, parlant de soi-disant génocide du peuple Mbo? Ça n'existe pas, ça. Alors, nous sommes tous Camerounais. Oui, dit l'autre, c'est vrai. Alors, mes chers amis, je vois qu'il y a plus de trucs. On va vous laisser avec l'image de Niatadé. Voilà. Alors, ça ne joue pas. Deux secondes, bon, on va mettre ça en attendant. Alors, merci mes amis, merci pour votre patience et votre disponibilité. On se parle dimanche prochain, on parlera de Douala Mangabel, alias Tête et Combo, et de la période allemande au Cameroun. Merci et bonsoir. Oh.
I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantalon. Come on, I don't want to do your pantal